du nouveau sur Jésus? Oui, il est aujourd'hui légitime de se poser cette question. Car depuis le précédent numéro de Secrets d'Histoire consacré à Jésus, de nouvelles découvertes archéologiques ont été faites. L'histoire est en perpétuel mouvement et nous apporte son lot d'étonnants rebondissements. C'est depuis la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'un des sites les plus visités de notre capitale, que je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle enquête sur Jésus, l'homme, le prophète, les vérités avérées par des historiens, mais aussi de nombreux mystères qui entourent sa vie et son culte. L'existence de Jésus, comme l'attestent de multiples témoignages, textes païens comme religieux, est difficilement contestable. Au-delà des mystères de la nativité et de la résurrection, qui était l'homme? Charismatique, cela ne fait aucun doute, mais aussi colérique et parfois violent contre ceux qui trahissent sa parole. Compatissant et généreux, son message va bouleverser les ordres religieux établis, mais aussi façonner de nouveaux équilibres politiques, défaire des empires et unir des peuples pour créer des nations nouvelles. Nous irons en Galilée, là où Jésus a grandi. Les archéologues ont retrouvé les vestiges d'une habitation datant du 1er siècle et qui pourrait être celle de Marie et Joseph. Jésus a probablement joué dans la cour de la maison avec les enfants qui habitaient dans cette maison. À quoi ressemblait Jésus? Était-il grand, petit, brun ou blond? Le Jésus blond aux yeux bleus, il a jamais existé. De nouvelles technologies ont aidé les scientifiques à lever le voile sur son apparence physique. Nous suivrons Jésus sur les routes de Galilée, accompagné de nombreuses femmes. Parmi elles, Marie-Madeleine. Il y a un rapport très très fort entre lui et elle, et les évangiles ne pouvaient pas le gommer. La science peut-elle expliquer aujourd'hui certains miracles qu'on lui prête? Jésus était-il un guérisseur exceptionnel? Après le célèbre repas de la scène, Judas trahit Jésus. Judas, pauvre Judas. Des thèses s'affrontent. S'agit-il d'une trahison ou d'un plan concerté entre les deux hommes? Et comment peut-on expliquer ce qui est peut-être l'un des plus grands mystères de l'histoire de Jésus, la disparition de son corps et l'épisode de sa résurrection qui donne naissance au christianisme? Comment ce message, entouré d'événements surnaturels, se répand-il à travers le monde? Qui sont les premiers chrétiens et comment vivent-ils leur foi? Un autre baptême que celui de Jésus a marqué notre histoire, celui de Clovis, chef de guerre franc. Un opportuniste qui fait ainsi main basse sur un territoire appelé à devenir la France. Les mystères qui entourent la vie de Jésus suscitent l'intérêt des chercheurs. Des découvertes récentes apportent de nouveaux éléments et avec eux, de nouvelles questions. C'est le plus grand mystère de la foi chrétienne, celui de la résurrection d'un prophète juif nommé Jésus. Crucifié, son supplice ne fait aucun doute. La résurrection de Jésus passionne autant les croyants que les chercheurs. Où le corps a-t-il été déposé après sa crucifixion ? Plusieurs lieux le revendiquent. Pour l'Église, c'est ici, où se dresse aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem sur le mont Golgotha, que le corps de Jésus aurait été inhumé après son agonie sur la croix. Il a été mis dans un tombeau avec des aromates, avec des soins mortuaires, mais deux jours plus tard, le jour de Pâques, il est ressuscité. Des recherches récentes effectuées au cœur du Saint-Sépulcre laissent planer le doute sur le fait que ce soit bien l'emplacement exact du tombeau du Christ. Dans les travaux qui ont été faits l'année dernière, la prospection a porté sur la table funéraire.
qui était faite donc pour accueillir un corps. Et on n'a trouvé aucune trace d'ADN et d'occupation humaine. Une absence d'occupation humaine qui relance l'enquête sur le lieu où son corps aurait été déposé avant sa résurrection. Jésus est un condamné, un criminel politique du point de vue de Rome. Et donc, c'est quelqu'un dont on se débarrasse. Enfin, il est mis à la fosse commune, il est laissé manger par les chiens ou par les rapaces. Enfin, on peut imaginer le pire. Les auteurs des évangiles qui écrivent 30, 40 ans ou plus tard et qui ont fait de Jésus leur Christ, leur Messie, peuvent pas se satisfaire de cette inhumation si sauvage et si désastreuse. Un personnage inconnu avant l'écriture des évangiles apparaît alors. Les évangiles disent très clairement que c'est Joseph d'Arimathie qui a demandé à Pilate le corps de Jésus et de le mettre dans son propre tombeau qui n'avait pas été utilisé et qui était tout à côté du Golgotha. À proximité de la tombe officielle, un autre site revendique avoir accueilli la dépouille du supplicié. Nous sommes ici devant la tombe d'un homme riche, une tombe juive dont la description est très proche de celle du Nouveau Testament. Certains disent que la tombe de Joseph était située dans un jardin. À l'endroit même où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y a une tombe neuve. C'est exactement comme dans les évangiles. Mais une autre découverte a relancé l'enquête. Sous cette dalle, située dans le quartier de Talpiot à Jérusalem, la découverte d'une chambre funéraire contenant des ossuaires gravés donne lieu à de nouvelles interprétations. On a retrouvé en effet une dizaine d'ossuaires avec des inscriptions Marie, Jésus, fils de Joseph, Matthieu, Judas, Mariamnou. On s'est dit, tiens, Mariamnou, c'est peut-être Marie-Madeleine. Mais il faut aussi savoir que Jésus, Jacques, Judas, enfin Jude ou Judas, comme vous voulez, sont les noms les plus répandus de l'époque, y compris celui de Jésus. Et de toute façon, même s'il a été enterré, il y a une chance sur 1 million de retrouver quoi que ce soit de ce corps. Le mystère de la résurrection de Jésus est le fondement de la foi chrétienne. Mais que sait-on vraiment de la vie de ce prophète qui allait changer la face du monde ? La basilique de la Nativité à Bethléem. Depuis des siècles, les chrétiens y célèbrent la naissance de Jésus. C'est aussi l'une des plus vieilles églises du monde, puisqu'elle fut bâtie dès le 4e siècle de notre ère par l'empereur romain Constantin le Grand. La porte d'entrée est très basse. Il y a une raison pratique à cela. Il s'agissait, en temps de guerre, d'interdire l'entrée aux cavaliers. Mais cette porte a aussi un sens symbolique. Il faut se faire petit pour entrer dans le mystère de la nativité de Jésus. Plusieurs confessions chrétiennes sont présentes dans la basilique, l'église grecque orthodoxe, l'église arménienne et les frères franciscains. Dans le chœur derrière moi, on peut admirer de très anciennes icônes. Les murs de la basilique sont encore couverts de mosaïques byzantines et une ouverture a été creusée dans le plancher afin de montrer les mosaïques d'origine. Mais il faut descendre quelques marches sous le chœur pour découvrir l'endroit où Jésus est né. Nous y voici. Une étoile d'argent à 14 branches incrustée dans le sol de marbre indique l'endroit exact de l'événement. On lit d'ailleurs sur l'étoile, ici, Jésus-Christ naquit de la Vierge Marie. Après la naissance, l'enfant a été déposé sur une mangeoire de l'étable. Regardez ici, on aperçoit même au-dessus le rocher de la grotte de la Nativité.
et en face, toujours selon la tradition, les rois mages ont déposé leurs offrandes. Dehors, à quelques centaines de mètres de la basilique, on peut voir les champs où les bergers, dit-on, ont appris la bonne nouvelle. Mais des bergers et des moutons à 25 décembre, au plus fort de l'hiver, c'est plutôt étonnant. Vous l'avez compris, dans cet épisode de la naissance de Jésus, la légende se mêle étroitement à l'histoire. Les mêmes questions se posent depuis 2000 ans. Jésus est-il vraiment né ici, à Bethléem? Et que peuvent nous dire les astronomes de la fameuse étoile des bergers? C'est dans ces paysages de Galilée, au nord de l'Israël actuel, que commence la vie de Jésus. Elle commence dès avant sa naissance par un premier miracle. Jésus serait né d'une vierge. Qui es-tu ? L'annonce de la future naissance est faite par l'ange Gabriel à Marie, puis à Joseph, à qui Marie est fiancée. Pour les croyants, la conception virginale de Jésus est un article de foi. Pour les esprits rationalistes, c'est un mythe. Comment décider ? Et d'abord, que disent les textes ? Dans le désert du Sinaï, au pied de la montagne où Dieu a dicté à Moïse ses 10 commandements, voici le monastère Sainte-Catherine, occupé depuis des siècles par des moines orthodoxes. Parmi les nombreux trésors qu'on trouve dans la bibliothèque du monastère, il y a le Codex Sinaiticus, la plus ancienne copie connue des évangiles. Rédigé en grec, ces quatre récits nous comptent, chacun à sa manière, la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort. Quand Jésus est mort, ses sympathisants ont pris l'habitude de se réunir au cours de repas qui sont devenus la messe. Et au cours de ces repas, les nouveaux venus demandaient aux anciens, « Dis donc, raconte. Raconte tes souvenirs. » Alors on racontait des paroles de Jésus et quelques-uns des événements les plus marquants de sa vie publique. 30 à 50 ans après la mort de Jésus, cette tradition orale se fixe en quatre écrits attribués à Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ce sont les évangiles que nous connaissons. Sur de nombreux points, les évangiles se recoupent. Mais sur d'autres, ils diffèrent. C'est le cas pour la conception virginale de Jésus. Il y a deux évangiles qui parlent de la conception virginale. C'est l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. Et on s'aperçoit que deux autres évangiles n'en parlent pas. C'est l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Ça veut dire que la conception de la naissance virginale est un élément secondaire. Ce n'est pas un élément premier et qui n'a pas été partagé par l'ensemble des premiers chrétiens. Aucun homme ne pourrait croire une pareille chose. Qu'on ne se méprenne pas, les anciens ne sont pas plus naïfs que nous. Pour eux comme pour nous, la conception virginale d'un être humain est difficile à accepter. Le fait que les évangélistes, contre vents et marées, aient maintenu cette histoire de virginité a quelque chose d'étrange. Ça prouve que probablement ils y tenaient, soit parce qu'il y avait une tradition extrêmement forte, soit parce qu'il y avait quelque chose. Et je crois que l'historien n'a pas le droit de dire que ça n'a jamais existé. On a l'impression qu'ils sont embarrassés par cette donnée, plutôt qu'ils l'utilisent comme un argument fondateur. Ils l'ont reçu, ils la transmettent. Embarrassante parce que, évidemment, ça va prêter le flanc à l'accusation d'un enfant illégitime. À l'époque de Jésus, une jeune fille qui se découvre enceinte sans être mariée court le risque d'être lapidée. C'est la raison pour laquelle certains auteurs ont imaginé un Joseph stoïque, épousant Marie, pour la sauver de l'indignité. À l'inverse, la foi des chrétiens fait de Jésus un enfant conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. S'il est impossible pour l'historien de conclure, il peut au moins s'interroger sur le sens de la conception virginale de l'enfant Jésus. Toutes les religions ont fait naître leur fondateur d'une façon miraculeuse. Moïse, Krishna, Bouddha, Alexandre le Grand. Et donc, Jésus ne pouvait pas être enfanté d'un spermatozoïde. Alors on l'a fait naître de façon miraculeuse, d'une vierge et sans concepteur. Ce qui est tout à fait spécifique de l'enfantement de Jésus, c'est qu'il n'y a pas d'accouplement. C'est un enfantement par la puissance de la parole. La question intense des premiers chrétiens, c'était « d'où vient cet homme ?» Et leur réponse était de dire que Jésus n'était pas simplement un spirituel plus grand que d'autres, mais que sa
parole était si forte, sa sagesse si inspirée, son pouvoir charismatique si fort qu'il ne pouvait venir que d'un autre monde. Après le comment, vient le où. Où Jésus est-il né? À l'époque de Jésus, la Judée est occupée depuis plus de 60 ans par la puissance romaine. Selon les évangiles, un décret de l'empereur Auguste oblige chaque juif à venir se faire recenser dans la ville où il est né. Joseph et Marie font donc un long voyage depuis Nazareth, où ils vivent, jusqu'à Bethléem, à proximité de Jérusalem. Nous connaissons un recensement de la province juive de Judée sous Quirinius, qui était légat de Syrie, en 6 de notre ère. En l'an 6, oui. Y en est-il avant? Franchement, on n'en est pas sûr. S'il n'y a pas eu de recensement à la bonne époque, pourquoi l'Évangile imagine-t-elle ce long déplacement de Joseph et Marie enceintes à Bethléem? Bethléem a un sens théologique fort, puisque une prophétie dit qu'effectivement, de Bethléem, la ville de David, sortira le Messie. Donc je dirais que le déplacement de Joseph et de Marie à Bethléem venait accomplir cette prophétie. Qu'il soit né à Bethléem ou à Nazareth, reste à savoir à quelle date précisément Jésus est né. Un 25 décembre? Vraiment? Alors, le jour est la reprise d'une fête païenne. Le solstice d'hiver, les Saturnales à Rome, et donc les gens étaient habitués à festoyer. On a placé là la naissance de Jésus. Et il y a une forte signification symbolique, puisque c'est le moment de l'année où le soleil commence à rejaillir. On voulait par là même honorer le fait que Jésus était la lumière du monde. S'il est assez simple de comprendre comment a été fixé le jour de la naissance de Jésus, la question de l'année est plus compliquée. Selon les évangiles, Jésus vient au monde sous le règne d'Hérode le Grand, ce roi tyran qui gouverne la Judée d'une main de fer, en collaboration étroite avec l'autorité romaine. Hérode était un personnage très complexe, très tourmenté, avec une partie d'ascendance juive et une partie d'ascendance arabe, choisi par Rome pour régenter cette région du monde, donc il ne sera jamais complètement accepté. Hérode craint tant qu'on attente à sa vie qu'il se réfugie au cœur du désert de Judée, là où ne survivent que les serpents et les scorpions. 20 ans avant la naissance de Jésus, Hérode se fait donc construire cette folie, un palais-forteresse circulaire édifié sur une colline artificielle en forme de volcan. Avec ses murs de 12 mètres d'épaisseur, c'est une place imprenable, bien faite pour rassurer ce monarque à demi-fou. Hérode le Grand, c'est à la fois un grand bâtisseur, un grand administrateur, mais un tyran. Un tyran sanguinaire qui va devenir, à la fin de son règne, paranoïaque. Exterminé ! Tuez ! Exterminé ! Dans la basilique de Bethléem, un sinistre vestige témoigne d'un crime abominable du roi Hérode. Le massacre des innocents. Averti par des mages de la naissance prochaine d'un roi des Juifs, Hérode ordonne le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem. Prévenu à temps par un ange, Joseph prend la fuite pour l'Égypte avec Marie et l'enfant. Mais sommes-nous dans l'histoire ou dans la légende? Les chroniques de l'époque ne rapportent rien d'un massacre des premiers-nés ou des enfants mâles de la part d'Hérode le Grand. Pourquoi a-t-on inventé un massacre des innocents? Tout simplement parce qu'il fallait que Jésus accomplisse une prophétie de Jérémie et qu'il devienne le symbole de tous les justes, les innocents persécutés de l'histoire. Le massacre des innocents dans l'océan des crimes d'Hérode le Grand est une goutte d'eau. Bethléem, c'est un tout petit village. Les innocents, les enfants de moins de 2 ans devaient représenter quelques enfants, quelques unités. Et ce massacre a pu passer inaperçu. Si les chroniques de l'époque ignorent le massacre des innocents, elles attestent toutes de la mort du roi Hérode en l'an 4 avant notre ère, donc 4 ans avant la naissance de Jésus. Pourtant, les évangiles font bien naître Jésus sous le règne d'Hérode.
Où est donc l'erreur? Jésus est né sous Hérode. Hérode est mort en moins 4 avant notre ère, ce qui veut dire que Jésus est né avant les années que l'on compte à partir de la naissance de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on pense que la naissance de Jésus est affixée soit en moins 4, soit en moins 6, soit en moins 7, sans que l'on puisse exactement déterminer l'année. Pour trouver l'année, on peut s'interroger sur la fameuse étoile des bergers. S'est-il vraiment passé quelque chose dans le ciel? Aujourd'hui, grâce à l'informatique, les astronomes peuvent reconstituer le détail de la configuration céleste, quelle que soit la date, sur une période couvrant plusieurs milliers d'années. Voici le ciel de Bethléem, le 24 décembre 2017, à minuit. Le petit cercle au centre de l'écran, c'est la planète Jupiter, bien visible à l'œil nu. À présent, plongeons dans le passé. Plus vite, encore plus vite, les années et les siècles défilent. Voici le ciel du 14 juillet 1789, à minuit. À Paris, on fête la prise de la Bastille. Continuons à plonger. Nous voici à présent en l'an zéro. Nous sommes le 24 décembre, à minuit. Mais dans le ciel de Bethléem, on ne note rien de spécial. Continuons à reculer dans le temps. Nous arrivons en 6 puis en 7 avant notre ère, le 5 décembre. Et voyez, à mesure que le temps défile en accéléré, quelque chose s'approche de Jupiter. Alors il s'agit de deux planètes, de Jupiter et de Saturne, et ces deux astres vont se rapprocher l'un de l'autre d'un point de vue apparent. Et bien évidemment, ils sont toujours séparés par 650 millions de kilomètres, mais sur le ciel, vu de la Terre, on a l'impression qu'il y en a un qui s'approche de l'autre, mais c'est quelque chose que l'on voit en perspective, donc c'est un rapprochement. L'étoile de Bethléem est le résultat de cette conjonction. Mais cette année-là, il y a non pas une, mais trois conjonctions entre Saturne et Jupiter. Alors c'est un phénomène très très rare, vu que sur une période de 3000 ans, elle ne se produit que 13 fois. Cette triple conjonction de deux planètes du système solaire pourrait bien marquer la date de naissance de Jésus, qui serait né en moins 7 avant Jésus-Christ. Avec le temps, la triple conjonction de l'an 7 avant notre ère est devenue l'étoile de Bethléem. Si elle marque bien la date de naissance de Jésus, c'est donc un homme mûr, un homme de presque 40 ans, qui est mort sur la croix. Il devait avoir dans les 35, 36, 37 ans. C'était pas un jeune exalté qui est parti flamberge au vent à la mort. Il a réfléchi sa mort, il l'a pensé, il l'a accepté, et certains disent même qu'il l'a voulu. C'est ici, sur le mont des Béatitudes, en Galilée, que vers l'âge de 30 ans, Jésus a prononcé son sermon sur la montagne. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ces paroles vont droit au cœur des dizaines, peut-être des centaines de paysans qui l'écoutent. Car nous sommes à la campagne. La Galilée, c'est un peu comme nos Alpes de Haute-Provence. Les températures y sont douces, on entend le chant des cigales. On est loin de la ville et de ses tensions. On comprend mieux peut-être cette religion de l'amour qu'a prêché Jésus quand on contemple les paysages de Galilée, ses sources et ses vergers. Ici, même la nature est généreuse. Mais il a sans doute fallu d'autres expériences au fils de Joseph le charpentier pour qu'il devienne Jésus. Certains disent, c'est ici, en Galilée, auprès des rabbins, qu'il a forgé la doctrine qu'il a enseignée. Mais d'autres disent, non, c'est plus au sud, dans le désert de Judée, sur les bords de la mer Morte. Certains prétendent même qu'il a voyagé ailleurs qu'en Terre Sainte, en Égypte, en Inde, plus loin encore. C'est le mystère des années obscures de Jésus. Si nous ignorons tout des années de formation de Jésus, nous savons au moins que sa petite enfance s'est déroulée à Nazareth, en Galilée. Voici ce à quoi ressemblait peut-être l'atelier de Joseph, le charpentier du village et le père de Jésus. En observant ses gestes, le jeune Jésus a appris à manipuler ses outils simples mais ingénieux qui permettent de travailler le bois avec efficacité et précision. Aujourd'hui, Nazareth est la plus grande ville arabe d'Israël.
dominée par la basilique de l'Annonciation. Et justement, en 2009, juste à côté de la basilique, des archéologues font une découverte sensationnelle. Les vestiges d'une maison de Nazareth datant de l'époque de Jésus. Alors, cette maison, en fait, il y avait quatre pièces dans cette maison. Une pièce ici, et puis trois autres pièces. Et puis, on a trouvé juste derrière la cour de la maison dans laquelle il y avait une citerne, donc dans laquelle on pouvait puiser l'eau. Et il y a même un trou à côté de la citerne dans lequel on pouvait poser la jarre pour tenir la jarre. Et si la maison de Joseph et Marie n'était pas là, elle était juste à côté. Et puis, Marie et Joseph sont certainement venus dans cette maison. Jésus a probablement joué dans la cour de la maison avec les enfants qui habitaient dans cette maison. Jésus a grandi dans un petit village de paysans, où les animaux de la ferme sont l'objet de tous les soins. On élève des brebis et des chèvres, mais aussi une grande quantité de moutons, dont les agneaux sont nécessaires pour les sacrifices rituels. Généralement, les troupeaux passent l'été dans les prairies et reviennent à la ferme au début de l'automne. Pour le culte, enfin, qui occupe une grande partie de la vie quotidienne, tout le village se retrouve à la synagogue où le rabbi chante et commente les textes de la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible hébraïque. Pourtant, à 7 km seulement de Nazareth, il y a l'enfer. Séphoris, la capitale de la Galilée, construite par Hérode sur le modèle des villes gréco-romaines. Une capitale de païens et de juifs hellénisés, où des mosaïques indécentes célèbrent Dionysos, le dieu du vin. Aujourd'hui, grâce aux efforts des archéologues, Séphoris vient de sortir de terre. Compte tenu de la proximité de Nazareth, il est probable que Joseph soit venu travailler ici comme charpentier. Sans doute était-il accompagné du jeune Jésus, son apprenti. Oui, parce que ce sont des villes importantes. Il y avait des chantiers de construction formidables parce que l'époque d'Hérode coïncide avec l'époque de la paix romaine et donc favorable pour le commerce. Donc il y avait du travail, les gens s'embauchaient et Joseph est dans le bâtiment. C'est vraiment un autre monde. Joseph a une grimace de dégoût devant les mosaïques des païens et il détourne les yeux. Le plus vaste bâtiment de la ville est ce théâtre à la grecque, qui peut accueillir 2000 spectateurs. Pendant que son père travaille sur les charpentes du proscénium, Jésus observe peut-être les répétitions des acteurs masqués qui jouent les tragédies d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide. En grec ancien, le mot acteur se dit hypocrites. Ce mot, hypocrite, reviendra plus tard dans la bouche de Jésus pour désigner les hommes qui, à l'instar des acteurs, jouent à être ceux qu'ils ne sont pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens ! Hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ! Vous n'y entrez pas ! À quoi ressemble Jésus ? Nous l'ignorons. Aucune description physique n'existe de lui dans les évangiles. Chacun, au cours des siècles, a donc représenté Jésus à sa façon. Mais ces images suppliciennes sont sans doute bien éloignées de la vérité historique. Ce qui frappe quand même, c'est le fait qu'elles sont, quand même très occidentales. Le Jésus blond aux yeux bleus, il a jamais existé. Jésus avait probablement des traits que l'on rencontre dans le bassin méditerranéen dans cette région, c'est-à-dire peut-être des cheveux noirs, certainement pas des yeux bleus, et puis voilà, quelque chose qui n'est pas du tout dans la représentation traditionnelle de Jésus, surtout cette représentation 19e, où on le voit comme le bon berger aux yeux bleus. C'est oublié en effet que Jésus est un juif, élevé parmi les fils de paysans juifs de Galilée. En 2001, en modélisant des crânes du 1er siècle, les anthropologues ont reconstitué ce visage. C'est le portrait robot d'un habitant de la Galilée, à l'époque de Jésus. La peau est mate, la face est prématurément vieillie par le soleil. Les cheveux sont bouclés et courts, car il était honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs comme une femme. Ce n'est pas le visage de Jésus, seulement l'apparence moyenne d'un de ses contemporains. Mais le vrai Jésus, n'en doutons pas, ne devait pas être très différent.
Les évangiles ne disent absolument rien de l'apparence physique de Jésus. Ça ne les intéressait pas. Alors, indirectement, par des petites notations qui apparaissent, on peut tirer quelques éléments, savoir à quoi il ressemblait. On sait, par exemple, qu'il a été élevé par une famille de classe moyenne, donc il était bien nourri, il n'était pas famélique. C'est un grand marcheur. Il devait avoir une allure plutôt sportive, mais pas très résistant. Par exemple, un évangile raconte que, après une longue marche, lui s'était assis, fatigué, dit l'évangile, sur la margelle d'un puits, alors que ses disciples continuaient à courir à la ville voisine. Il avait une voix forte, parce qu'il pouvait se faire entendre d'une foule. La possession du royaume qui vous a été préparée dès la fondation du monde. On sait qu'il avait un regard très mobile. Les évangiles ont remarqué son regard, ils le disent. On n'en sait pas beaucoup plus, mais il y a une chose que l'évangile ne dise pas, mais qui transparaît partout, c'est qu'il avait un charme fou. C'était un charmeur, un charme qui lui a acquis tout de suite l'adhésion des foules, qui lui a acquis l'œil des femmes, et qui a un instant ébranlé Pilate. Pendant son procès, Pilate a été ébranlé par la présence, la prestance, le charme de cet homme. Il faut aussi imaginer un homme nerveux, capable sous le coup de la colère de renverser les étals des marchands du temple et même de faire le coup de poing quand nécessaire. Reste à savoir comment Jésus est devenu Jésus, comment il est passé de l'adolescence à l'âge adulte. Ces années mystérieuses, les historiens les appellent les années obscures de Jésus. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il a fait, où il s'est formé, et évidemment, ça ouvre la porte à toutes les hypothèses. Est-ce qu'il était marié? Est-ce que son père, Joseph, qu'on nous présente au début des évangiles et qui ensuite disparaît, est mort? Peut-être. On n'en sait rien. Il a pu se passer des tas de choses. Il a pu se passer des tas de choses dont les évangélistes n'ont pas cru devoir nous entretenir. Donc chacun peut y loger son scénario. Certains de ces scénarios imagine qu'au cours de ces années obscures, Jésus aurait quitté la Galilée et qu'il aurait beaucoup voyagé. Et pourquoi pas en Égypte? À l'époque, les grands esprits étaient fascinés par l'Égypte, hein. Comme Alexandre l'a été, comme Marc-Antoine l'a été, comme César l'a été. On allait s'initier au mystère égyptien. D'autres scénarios, non moins romanesques, font voyager Jésus beaucoup plus loin, en Inde et au Tibet, d'où il aurait rapporté les enseignements du Bouddha. Si Jésus a été mis en contact avec le bouddhisme ou avec les bouddhismes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et s'il en a retenu deux idées très fondamentales, c'est que le Bouddha est une personne au service des autres, il se sacrifie pour les autres, et puis que le monde dans lequel on vit n'est pas le monde définitif. Et Jésus dira « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Certains le font aller en Égypte, en Inde, je ne sais où, parce que c'est là qu'étaient les grands sages de l'Antiquité. Mais je crois que c'est du roman, purement et simplement. Jésus est sans doute resté à Nazareth, à se former, et par sa vie spirituelle personnelle, et par les maîtres qu'il fréquentait, qui étaient sans doute des maîtres pharisiens. Selon les évangiles, c'est en Judée, après un mystérieux séjour de 40 jours dans le désert, au cours duquel il est soumis aux tentations du diable, que Jésus s'est métamorphosé. On ne sait pas ce qui s'est passé au désert. Est-ce qu'il a vécu là en ermite? Il a vécu dans la solitude. Les évangiles disent simplement qu'il était seul en présence de bêtes sauvages, c'est-à-dire de puissances du mal. On imagine un combat intérieur prodigieux où tout d'un coup, quelque chose s'est cassé en lui et il est devenu lui-même. Au bord du fleuve Jourdain, en train de baptiser ses disciples, voici l'homme qui a sans doute le plus compté dans la formation de la pensée de Jésus. L'homme qui lui a, en quelque sorte, servi de passeur, Jean-Baptiste. Sois prêt pour l'arrivée du royaume. C'est un prophète qui apparaît vers l'an 28-29 de notre ère, vêtu étrangement de poils de chameau, avec une ceinture de cuir, se nourrissant de sauterelles et puis de miel sauvage. Et Jean le Baptiste a réuni au désert une foule de disciples et auxquels il affirme que seule une vie droite leur permettra d'échapper au Messie qui vient, qui est un Messie de colère. Le temps est venu, le grand et terrible jour du Seigneur s'approche. Il délivre à ceux qui sont autour de lui un baptême, qui est un baptême d'attente. Et on attend quoi? On attend la venue de l'Esprit et on attend surtout quelqu'un de plus grand que lui, quelqu'un dont lui-même n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales. Car voici qu'arrive un nouveau disciple pour se faire baptiser.
En un éclair, nous disent les évangiles, Jean reconnaît en Jésus le Messie, l'envoyé de Dieu qui va bouleverser l'ordre injuste du monde. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Cette rencontre est commémorée aujourd'hui par les fidèles qui viennent se faire baptiser dans le fleuve à Yardénit, là où le Jourdain quitte la Galilée pour aller se jeter dans la mer morte. Jean-Baptiste n'est pas seul à prédire la fin des temps. Sur les bords de la mer morte, une secte mystérieuse attend elle aussi l'Apocalypse. Ce sont les Esséniens. Les Esséniens vivent ici, à Qumran, dans cette sorte de monastère. Aujourd'hui, les historiens se posent la question. Jean-Baptiste et Jésus ont-ils fait un séjour chez les Esséniens ? Les Esséniens sont des séparatistes qui se sont séparés, en fait, du clergé de Jérusalem et du temple de Jérusalem parce qu'ils pensent que ce temple est souillé. Ils se replient, ils font leur propre règlement, ils visent une pureté absolue, y compris dans leur vie sexuelle, y compris dans leur vie alimentaire. Ils ont une exigence de justice extrêmement rigoureuse. Ils sont dans une perspective, en fait, où toutes les prophéties vont très rapidement s'accomplir. C'est-à-dire qu'ils pensent que la fin des temps va arriver, qu'il va y avoir peut-être une espèce de guerre entre des forces des Lumières et des forces des Ténèbres. Et donc, il faut que Dieu intervienne. Et c'est Dieu qui va rétablir la royauté d'Israël. On doit aux Esséniens les fameux manuscrits de la mer morte, trouvés en 1947 dans ces grottes. En les déchiffrant, les chercheurs découvrent quelques détails troublants. Car les Esséniens annoncent l'arrivée imminente du royaume de Dieu et ils attendent le Messie, comme Jean-Baptiste. Celui que vous ne connaissez pas va venir après moi. Dans ces bassins rituels, ils pratiquent le baptême de l'eau, comme lui. Dans ce réfectoire, ils partagent le pain et le vin, comme les futurs chrétiens. Alors, Jean-Baptiste et Jésus lui-même sont-ils ou ont-ils été disciples des Esséniens ? Il est vraisemblable que Jean-Baptiste a fait un séjour chez les Esséniens. Il les a quittés ensuite pour aller baptiser au bord du Jourdain. Il a donc été un disciple des Esséniens. Jésus, non. Il n'y a aucune commune mesure entre ce que vit Jésus, ce que prêche Jésus et ce que vivent les Esséniens. Aucune commune mesure. Ce sont des mondes complètement opposés. Jésus a emprunté aux Esséniens et à Jean-Baptiste cette idée que le monde allait finir, mais il l'a complètement transformé. Pour lui, le monde était déjà fini à partir du moment où il était là, puisqu'il annonçait un monde nouveau. Une chose est certaine. Après le baptême de Jean, après le séjour au désert, Jésus décide de suivre sa propre voie et de fonder son propre groupe. C'est alors qu'un certain nombre de disciples de Jean-Baptiste le suivent. Le temps de la maturité est arrivé. Jésus est devenu Jésus. Jésus a une intense admiration pour Jean le Baptiste, mais il a rompu avec lui. Alors il a rompu avec lui essentiellement sur deux points. Le premier point, Jésus n'est pas un ascète. Il ne se retire pas au désert, il est au contraire au milieu du peuple. Le deuxième point qui est beaucoup plus fondamental, c'est que Jésus prêche, Jésus met en avant, Jésus est habité par l'image d'un Dieu compatissant, d'un Dieu qui accueille, d'un Dieu d'amour. L'épisode crucial dans cette période est la mort de Jean-Baptiste. Condamné à être décapité sur l'ordre d'Hérode Antipas, le gouverneur de la Galilée, pour avoir critiqué ses mœurs dissolues. On s'aperçoit que Jésus ne devient lui-même aussi bien dans son mode de vie que dans son enseignement, que lorsque Jean est mort, la mort de Jean, Jésus a coupé le cordon ombilical et il commence à parler des béatitudes, du royaume de Dieu, pas avant. Tant que Jean est en vie, Jésus répète son enseignement. C'est la mort de Jean qui a été un traumatisme épouvantable pour tout Israël et pour Jésus. À ce moment-là, il devient lui-même. Le lac de Tibériade, que l'on appelle aussi la mer de Galilée, ce lac va jouer un grand rôle dans l'histoire de Jésus. Car c'est ici, juste après son baptême par Jean le Baptiste, que Jésus commence son ministère. À la différence du Baptiste, Jésus n'est pas seul pour répandre la bonne parole. Il recrute ses hommes.
12 apôtres, 12 compagnons qui vont l'aider dans sa tâche. Parmi eux, Pierre et son frère André, mais aussi Jean et Jacques. Pierre et André étaient des pêcheurs professionnels et leur bateau ressemblait sans doute à celui que vous voyez. Trouvé non loin d'ici en 1986 dans la vase, des techniques modernes ont permis de l'extraire et de le conserver. On peut toujours le découvrir au musée de Guinossard. Quand la pêche est finie, Pierre et ses amis retournent chez eux, dans la petite cité de Capharnaüm. Pendant plusieurs mois, Jésus va vivre parmi eux, sans doute chez l'apôtre Pierre. Très vite, Capharnaüm va devenir célèbre. Ce sera le quartier général de Jésus et de ses apôtres. Il y vient une telle foule, il y règne une telle confusion que le nom de Capharnaüm va entrer dans le langage courant. Pour l'époque et pour la Galilée, Capharnaüm est déjà une grande ville, une cité de plusieurs milliers d'habitants construite juste au bord du lac. Tel qu'il est, le site est exceptionnel. C'est un livre ouvert sur la vie quotidienne de Jésus et de ses apôtres. Une des maisons de Capharnaüm, justement, se distingue parmi les autres. Elle est hélas protégée par cette horrible construction en forme de soucoupe volante. Mais on voit mieux les choses du dessus. Il s'agit d'une très ancienne église, entourant ce qui était sans doute la maison de l'apôtre Pierre. En témoigne une série de graffitis. Il y en a un qui, avec le nom de Petros, en grec, de Pierre. Et il y en a un autre au Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est aussi important parce qu'il montre que dans cette maison, on faisait de la prière adressée au Christ. Ce qui est vénéré, ce n'est pas la maison de Pierre, c'est la maison de Jésus lui-même. Alors, qui est bien une maison qui appartenait de fait à Pierre? Mais c'est dans cette maison que Jésus rassemble ses disciples, alors en général, pour expliquer ce qu'il dit. On peut aujourd'hui reconstituer cette maison telle qu'elle se présentait à l'époque de Jésus. Dans cette pièce vivent Pierre et sa famille. Cette autre pièce est celle qui a été préservée. On suppose que c'est celle réservée à Jésus pendant ses séjours à Capharnaüm. On ne ferme pas la porte à clé. Tout le monde se connaît, tout le monde va dans la maison les uns des autres. Et la maison de Pierre, celle que Jésus a choisie, devient un lieu où on se rassemble. Mais comprenez que quand l'évangile dit « toute la ville se trouve devant la porte », c'est une hyperbole. Parce que si on est 30, c'est un maximum. À la différence de Jean-Baptiste, Jésus n'est pas seul pour porter la bonne parole. Au fil de ses pérégrinations, il est rejoint par 12 disciples, qu'il appelle ou qui décide de le suivre. Et ça se passait comme ça. Les grands maîtres, les grandes figures de Rabbi provoquaient cette adhésion, provoquaient cet enthousiasme, qui était un enthousiasme intellectuel. On voulait comprendre la parole divine, on voulait comprendre les signes des temps, on voulait comprendre tout cela. Le plus célèbre de ceux qui deviendront les apôtres du Christ, c'est Pierre. Pierre, on sait que c'est un illettré, il ne sait ni lire ni écrire. C'est un homme qui est capable de violence, il est tout d'une pièce. C'est un emporté. Les évangiles nous indiquent la fragilité de Pierre, c'est-à-dire qu'il est celui qui est le plus attaché à Jésus et celui qui est le moins fiable. Lui n'adhère pas totalement aux miracles, pour lui ces miracles ne sont pas forcément messianiques, il peine à démêler dans la personnalité de Jésus ce qui est le rabbi, ce qui est le prophète, ce qui est le messie, c'était pas simple à l'époque. Ça nous fait réfléchir sur la manière dont Dieu choisit ses instruments et sur la foi profonde de Pierre qui arrive à surmonter toutes ses défaillances par la confiance qu'il fait à l'amour du Christ. Pierre, qui s'appelle en réalité Simon Barjonas, reçoit son surnom à la suite d'un jeu de mots de Jésus. À partir de maintenant, je t'appellerai Pierre. Le roc. Celui qui s'appelait Shimon va s'appeler Pierre, parce que Pierre, ça évoque la pierre de fondation de l'église que Jésus veut fonder. Un des derniers à rejoindre le groupe des apôtres, c'est Judas. Maître, puis-je te parler? Quel est ton nom, mon fils? Je me nomme Judas l'Iscariote. Judas,
Pauvre Judas, l'hypothèse la plus vraisemblable de son surnom, l'Iscariote, c'est qu'il avait fait un stage chez les sicaires qui étaient des terroristes, nationalistes, violents, spécialistes du maniement du couteau. Cependant, c'est le seul à qui Jésus ait fait assez confiance pour lui confier la trésorerie du groupe, et c'est le seul que Jésus appelle mon ami. Tous différents, les apôtres ont un point commun. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils en ont un autre, humain, trop humain. Ils entrent vite en concurrence. Quand Jésus commence à parler à ses apôtres de royaume de Dieu, on voit très bien qu'ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Ils ont compris royaume au sens politique. Donc il y aurait un roi et ses ministres. Et on les voit dans les évangiles se battre, mais se battre, pour savoir qui sera le premier ministre à la place de Jésus. Ça a duré un certain temps. Parmi les 12, on cite aussi Jacques le Mineur, qui est parfois appelé frère de Jésus. Car Jésus, semble dire l'évangile, a des frères et des sœurs. Continuez à travailler. Écoutez, si on lit les évangiles, c'est très clair. Les évangiles parlent des frères et des sœurs de Jésus. Ils donnent même leur nom. Écoutez, dans l'évangile de Marc, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Ça ne s'invente pas. Jésus a eu 4 frères et peut-être 2 sœurs. Et d'ailleurs, il ne s'est pas très bien entendu avec eux. Cependant, le terme frère veut dire aussi proche parent. Et il n'est pas forcément assuré qu'il soit fils de Marie et de Joseph, plus jeune que Jésus. Certains ont dit que c'était des cousins. D'autres disent, en fait, c'est tout simplement les enfants d'un premier mariage de Joseph. Et donc, finalement, Jésus a des demi-frères et Marie est restée vierge avant, pendant et après la conception. Autour de Jésus, pourtant, il n'y a pas que les apôtres. Ce qui a le plus scandalisé à l'époque, c'est la présence dans son groupe de femmes. Des femmes qui semblent être sans leur mari. On dit que certaines sont les femmes de personnages puissants, mais on ne parle pas des personnages puissants, donc elles semblent être là, j'allais dire, en célibataire, d'une certaine façon. Et puis, il y a même des femmes de mauvaise vie. Il y a des prostituées, des femmes dont on dit qu'elles ne sont pas fréquentables. Alors, c'est très, très étonnant qu'il y ait ces femmes, parce que dans l'époque, c'est vraiment un scandale. Il est impossible, dans le monde gréco-romain, où la femme reste enfermée, que la femme aille sur les routes, qu'elle se promène sur les routes non accompagnée de son mari avec un homme qu'elle ne connaît à peine. Ce qui est très très étonnant, c'est qu'un rabbin comme Jésus, un rabbi, normalement ne peut pas se laisser approcher par des femmes. Mais en même temps, il va se laisser baigner les pieds de parfum par la pécheresse. Elle le touche avec ses cheveux, ce qui est, dans l'Antiquité, c'est une offrande sexuelle. Pour Jésus, le fait de se montrer en compagnie de tout le monde, c'était pour montrer son universalité, l'universalité du message qu'il voulait défendre. Et donc, on parle aussi bien aux femmes qu'aux juifs, qu'aux non-juifs, etc. Et si la rédemption arrive, eh bien, ça inaugure un nouveau rapport entre les hommes et les femmes, et qui est un rapport, en fait, de tendresse, de fraternité. La plus célèbre de ces femmes, Marie-Madeleine, tient son nom d'une petite ville, Magdala, redécouverte aujourd'hui par les archéologues. Le fleuron de cette fouille est incontestablement la synagogue, avec ses superbes mosaïques. Tout laisse penser que Jésus a fréquenté ce lieu de culte. Je suis certain que par le lac ou par la terre, Jésus est souvent venu ici. Peut-être même a-t-il rencontré pour la première fois Marie-Madeleine dans cette synagogue, car c'était un lieu où toute la population de la ville venait se rassembler. Très tôt, Marie de Magdala devient donc une proche de Jésus. Mais proche jusqu'à quel point ? Le premier indice, c'est qu'elle le suit quasiment jusqu'à la mort. Elle fait partie de ces femmes qui sont éplorées au pied de la croix. Donc, il semble qu'il y ait eu, de la part de Marie-Madeleine, une très forte affection envers Jésus et une affection très particulière. Cette affection très particulière est-elle allée jusqu'au mariage ? C'est l'hypothèse du romancier grec Nikos Kazantzakis, qui évoque la dernière tentation du Christ. Au moment d'expirer sur la croix, Jésus imagine la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait renoncé à sa mission.
Il n'aurait été alors qu'un père de famille comme les autres, marié à Marie-Madeleine. Il y a un rapport très très fort entre lui et elle, et les évangiles ne pouvaient pas le gommer. Mais en même temps, il faut savoir que les rapports entre les rabbis et leurs maîtres, à l'époque, étaient quand même des rapports de distance, des rapports d'autorité, des rapports qui laissent peu la place, en fait, à une relation sexuelle ou charnelle. Donc, un rapport de tendresse avec Marie-Madeleine, très certainement. Mais si vraiment Jésus avait été marié avec elle, ou s'il avait eu des rapports sexuels avec elle, je pense que tout simplement, les évangiles l'auraient dit. Plus profondément, est-ce si choquant de penser que Jésus ait pu être marié à une femme ? Pourquoi, depuis le début, a-t-on imaginé un Jésus célibataire ? Ça avait probablement du sens, le fait que Jésus ne soit pas marié. Il y a des milieux très particuliers, tout à fait circonscrits, dans lesquels on ne se marie pas. C'est les milieux qu'on appelle apocalyptiques, c'est-à-dire des milieux qui attendent un retour, une intervention très proche de Dieu. Jésus lui-même le dit, et il donne la raison de son célibat. Celui qui quittera sa maison, son père, sa mère, sa femme pour me suivre, celui-là aura une récompense dans le royaume des cieux. Alors le problème, c'est que cette vie de moine, qui est une vie marginale, elle a été étendue à tout le christianisme. C'est-à-dire qu'on a dit maintenant, la grande valeur du christianisme, c'est le célibat. Mais la grande valeur du christianisme, c'est pas le célibat. La grande valeur du christianisme, c'est l'amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu peut passer par faire des enfants, peut passer par faire des affaires, peut passer par aider son prochain, peut passer par nourrir les pauvres. Et c'est ça le cœur du christianisme. On l'ignore souvent, mais la République française est la seule puissance étrangère à posséder des biens fonciers dans Jérusalem. À l'origine de ce privilège, il y a un accord signé en 1536 entre notre roi François Ier et le sultan Soliman le Magnifique. Il y a d'abord l'église du Pater Noster sur le mont des Oliviers, construite sur le site où Jésus enseigna à ses disciples le Notre Père. Il y a aussi, à l'intérieur de la ville, le tombeau des rois qui abrite la tombe d'une reine de Mésopotamie. À 20 km de Jérusalem, il y a le beau monastère d'Abou Ghosh, où, selon la tradition, l'Arche d'Alliance a été conservée avant d'être ramenée à Jérusalem par le roi David. Et enfin, il y a l'église Sainte-Anne, où je me trouve. Dans l'enceinte de l'église, on découvre ce vestige extraordinaire. Il s'agit de la piscine de Bethesda. C'est ici que Jésus fit un miracle en guérissant un paralytique. Ce qui est extraordinaire, c'est que la découverte des archéologues correspond bien au récit du miracle. Il y avait ici deux bassins. L'un est recouvert et servait de réservoir, l'autre est bien visible, tout en bas. Sur ces marches se pressaient des infirmes qui venaient se purifier en espérant un miracle, puisque depuis longtemps, cette eau avait la réputation de soigner toutes les maladies. Mais Jésus n'a pas besoin de cette eau supposée magique. Il dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et l'homme se lève et se met à marcher. Aujourd'hui, avec le recul, c'est le message porté par Jésus qui nous touche. Mais à l'époque, il était surtout perçu comme un faiseur de miracles. Certains de ces miracles, vous allez le voir, peuvent trouver une explication rationnelle. Mais d'autres sont plus étonnants. Le premier miracle de Jésus a lieu lors d'un mariage dans le petit village de Cana. Bientôt, le vin se met à manquer. Jésus ordonne alors aux serviteurs de remplir d'eau six grandes jarres. Et l'eau, miraculeusement, se transforme en vin. Aujourd'hui, Cana s'appelle Kafar Cana. C'est un petit village de Galilée, à une dizaine de kilomètres de Nazareth. Une église franciscaine occupe le lieu supposé du miracle. Les pèlerins du monde entier y affluent, parfois pour fêter un mariage, le plus souvent pour vénérer cette grosse jarre de pierre, une des six jarres où se serait réalisée, dit-on, l'étrange chimie du miracle. Nous sommes sûrs que cette jarre est un seul lieu authentique pour le miracle, la première scène qu'il a montré Jésus, sa gloire, en changeant l'eau en du vin.
La ferveur des croyants est sincère et respectable. Mais s'agit-il vraiment d'un miracle? Il suffit de se rappeler comment était conservé le vin de l'époque. Pour conserver le vin, on faisait sécher le raisin et on ajoutait des conservateurs, du miel ou des épices. Le résultat, le concentré de vin, tel quel était imbuvable. Pour pouvoir le transformer en bon vin, il fallait le diluer avec de l'eau dans des proportions très précises. Donc Jésus savait faire cette dilution, il n'était pas d'un milieu pauvre. Il aperçoit dans un coin des outres qui contenaient du concentré de vin, il a fait venir les esclaves, il a surveillé de près, le texte le dit bien, la dilution. Et puis il a fait porter le résultat au sommelier qui a trouvé le vin délicieux et qui s'est demandé comment quelqu'un avait pu si bien réussir, parce que Jésus savait fabriquer le vin à partir du concentré. Alors peut-être 15 siècles ou 20 siècles après, pour tel ou tel miracle, on pourrait trouver des explications naturelles. Mais au moment où il le fait, il n'y a pas d'explication naturelle. Et le côté extraordinaire de l'événement est destiné à susciter la foi. D'autres miracles, plus spectaculaires, semblent bouleverser les lois naturelles. C'est le cas de Jésus marchant sur les eaux à Bethsaïde, ou celui, encore plus célèbre, de la multiplication des pains et des poissons à Tabga, sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade. Jésus a fait, en dehors des miracles de guérison, un ou deux miracles autres sur la nature, en particulier un qui échappe quand même un peu à notre compréhension, c'est la multiplication des pains. On a là le souvenir d'événements que les disciples ont vécu avec Jésus, qui les a très très fortement marqués. Nous ne pouvons pas les reconstituer. C'est assis sur cette pierre que Jésus aurait réalisé le miracle. Elle est aujourd'hui pieusement conservée dans la petite église de Tabga. On a même installé un bassin à l'entrée, en souvenir des deux poissons qui sont devenus des milliers après le miracle. Ces récits témoignent aussi d'une sorte d'embellissement, d'exagération, un peu légendaire. Le peu de pain dont disposaient les disciples, parce que c'est ça le miracle, c'est que du peu de pain dont les disciples disposent, le partage réussit à nourrir une foule. On a vraisemblablement le souvenir d'une sorte d'enthousiasme provoqué par Jésus et de multiplication du peu que les disciples avaient à disposition. Certains miracles résistent pourtant à toute tentative d'explication. C'est le cas particulièrement lorsque Jésus ranime des personnes décédées. C'est la résurrection de Lazare, de la fille de Jaïr, du fils de la veuve de Naïn, qui sont dans les évangiles ressuscités par Jésus. Quand Jésus parle sur ces miracles, il en parle comme d'un signe, c'est-à-dire d'un événement qui attire l'attention par son côté extraordinaire, inexplicable, et comment l'intelligence et la liberté humaine vont réagir devant ce phénomène inexplicable. C'est une sorte d'épreuve de la foi. Mais Jésus n'est pas un magicien. Parce que le magicien, lui, d'une part, agit d'une manière secrète et d'autre part, va mettre en avant son propre pouvoir. Jésus, lui, agit d'une manière ouverte, toujours au bénéfice des gens, et renvoie toujours, dans ses actions miraculeuses, renvoie au pouvoir de Dieu. Le maître a guéri un aveugle. Si l'on considère l'ensemble des miracles de Jésus, la grande majorité sont des guérisons. Au bassin de Siloé, par exemple, Jésus guérit un aveugle. C'est un miracle. Pendant longtemps, on a pensé que l'événement avait eu lieu ici, près de ce canal qui transporte l'eau à l'intérieur de la ville. On se trompait, car cet ensemble est bien postérieur à Jésus. En 2004, en revanche, les archéologues découvrent par hasard ces grandes marches qui mènent à un bassin. C'est bien ici que se trouvait la piscine de Siloé. Nous en avons aujourd'hui la certitude, grâce aux pièces de monnaie et aux céramiques que nous avons découvertes en fouillant le site. On a retrouvé non seulement une partie du bassin de l'époque romaine, mais on est en train de retrouver tous les accès de communication entre le bas de la ville et le temple. C'est une des plus belles découvertes qu'on ait faites depuis longtemps. Je suis la lumière du monde.
L'évangile de Jean est très précis. C'est avec de la salive et de la boue que Jésus guérit l'aveugle. Comment est-ce possible? La boue et la salive, ça n'a aucune importance. Je ne sais même pas si c'est authentique. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'aveugle a eu un désir profond de guérir puisqu'il s'est approché de Jésus et que c'est le choc de la rencontre avec le guérisseur qui permet la guérison. Est-ce que tu crois en le Fils de l'homme maintenant? Jésus lui dit, crois-tu que je peux guérir? L'aveugle lui dit, oui. Bien, moi, j'ai vu dans ma pratique hospitalière des aveugles qui ont été aveugles pendant quelques temps et sous un choc psychologique, ils retrouvaient la vue. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui est certaine dans la recherche scientifique sur Jésus historique, c'est que Jésus a été un guérisseur charismatique, très doué, à l'activité abondante. Je dirais même que c'est un thérapeute, au sens peut-être qu'il a été formé dans cette école de médecine un petit peu particulière que l'on connaît avoir existé à Alexandrie, qu'on appelle l'école des thérapeutes, qui était une confrérie à la fois très spirituelle, mais en même temps qui avait une réflexion sur la médecine, sur une pratique de guérison et sur, je dirais, sur la manière de prendre soin des autres. Il veut guérir à la fois le corps, mais il comprend qu'il peut guérir aussi l'esprit. Et il va comprendre aussi qu'il peut guérir l'âme. Aide-moi. Je suis comme ça depuis 15 années. Lève-toi et marche. Ce que vient faire Jésus, c'est de redonner, non pas la foi, je crois qu'il y a une erreur. On dit, ta foi t'a sauvé. Et comme on est pris par la théologie, on a l'impression que c'est la foi en Dieu qui les sauve. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est la foi en soi-même. Jésus, lui, va s'approcher de tous ceux que la société juive mettait dans les marches, les malades, les femmes, les collaborateurs romains, les gens qui n'avaient pas d'éducation. C'est-à-dire que les personnes qui sont au contact de la personnalité et de la parole de Jésus vont découvrir qu'ils ont la possibilité en eux-mêmes d'avoir une force d'exister. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Car si Jésus a remué les foules, ce n'est pas seulement à cause de ses miracles. C'est à cause du message qu'il porte, un message qui est appelé à bouleverser le monde. Il y a beaucoup de choses qui ont sonné comme un coup de tonnerre. Les béatitudes, c'est un coup de tonnerre. Heureux les pauvres, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés, c'est un coup de tonnerre. Quand Jésus parle de l'amour de Dieu, tout le monde, à son époque, parle de l'amour de Dieu. Mais il en parle bien différemment, il le pratique bien différemment. Parce que l'amour de Dieu, pour Jésus, est un amour inconditionnel. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Quand le Christ parle de l'amour du prochain, ou quand il parle de l'amour de Dieu, il le fait d'une façon qui inclut inévitablement le don de soi. Il est porté, il est habité par un Dieu qui accueille sans poser aucune condition. C'est vraiment une sorte de tsunami de la grâce. Quel père refuse à son enfant? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Depuis Abraham, les Juifs avaient pris l'habitude de négocier avec Dieu. Un Dieu qui était un peu lointain, qui les écrasait de sa majesté, et dont ils avaient un peu peur, à tel point qu'ils ne lui donnaient aucun nom. On n'appelait pas Dieu. Bien, Jésus lui donne un nom. Il l'appelle Abba. Abba, c'est-à-dire mon petit papa. Mon petit papa chéri, Daddy. Daddy. Et il dit que c'est inutile de négocier avec son Daddy parce qu'il vous aime. Et puis que c'est pas la peine de lui faire la liste de vos malheurs parce qu'il est déjà au courant. Mais c'est sur lui-même que Jésus semble garder le mystère. Est-il vraiment l'envoyé de Dieu? Comment savoir? Dans un épisode célèbre conté dans l'évangile de Matthieu, Jésus semble décider à révéler sa vraie nature. Selon la tradition, l'événement a eu lieu sur le mont Tabor en Galilée, si haut, dit-on, qu'il échappa au déluge.
Et là, il se produit quelque chose d'extraordinaire. C'est une véritable transformation, une transfiguration. Le visage de Jésus, ses vêtements, ses mains, tout revêt une blancheur éclatante. En tremblant, les apôtres qui assistent à la scène découvrent que deux personnages sont entrés en discussion avec Jésus. Moïse à sa droite et le prophète Élie à sa gauche, tandis qu'une voix proclame que celui-ci est mon fils. Mais sitôt redescendu de la montagne, Jésus demande à Pierre et Jean de garder le secret sur ce qu'ils ont vu. Pourquoi ? Est-il ou non le Messie ? Alors il faut savoir que le terme Messie, lorsque vit Jésus, le terme Messie, c'est de la poudre, c'est un terme explosif. Tout le monde était d'accord du temps de Jésus, quelle que soit la forme de judaïsme, que le Messie doit arriver sur le plan politique et sur le plan religieux. Alors, comme nous sommes en situation d'occupation par les soldats romains et par l'Empire romain, effectivement, cela comporte l'éviction des Romains. La plupart des gens pensaient que l'éviction se ferait les armes à la main. Or, le règne de Jésus, c'est un règne de non-violence. S'il s'était proclamé Messie, son message aurait été complètement faussé et notamment son éthique de non-violence aurait été balayée par tous ceux qui seraient venus constituer son armée. Dans la Judée de l'époque, le temple était au centre de la vie politique, économique et culturelle du pays. Je me trouve actuellement sur un escalier qui mène à l'une des trois entrées du temple et Jésus a certainement dû remonter ces marches. Pour éviter la bousculade les jours de fête, les architectes avaient imaginé une petite astuce. Chaque marche a une profondeur différente, 30 cm, puis 80, puis 30. Ainsi, le mouvement général de la foule qui perdait en régularité, se trouvait discrètement ralenti. Voici une reconstitution fidèle du temple telle qu'on pouvait le voir au temps de Jésus. Tout près du temple, il y a le symbole détesté de l'occupation romaine, la forteresse Antonia. À l'époque, la Judée est une province romaine administrée par un procurateur, une présence étrangère insupportable pour le peuple juif. C'est cela qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre la suite. Jérusalem, à l'époque, était un véritable baril de poudre. C'est dans ce contexte troublé que Jésus, peu avant la Pâque, entre dans Jérusalem sur un ânon, porté par la clameur de la foule. Si tous les Juifs se retrouvent lors des fêtes rituelles, la société juive à l'époque de Jésus est profondément divisée. Il suffit de comparer. Voici un paysage de Galilée. Une terre riche et fertile, mais la vie y est rude et simple. Beaucoup de travail, beaucoup d'impôts et bien peu pour vivre. C'est d'abord à ces petits paysans pauvres que s'adresse Jésus. Eux, ils comprennent ce qu'il dit. En face, il y a les autres, une petite minorité de gros propriétaires fonciers dont beaucoup appartiennent à l'aristocratie du temple. Des fouilles ont permis de retrouver les vestiges des luxueuses maisons qu'ils habitaient. Comme à Séphoris, on cherche à imiter le mode de vie du conquérant. Mais ici, on est chez les milliardaires. Les maisons sont spacieuses. Les murs sont couverts de fresques colorées. Il y a aussi de nombreux bassins rituels, puisque beaucoup de ces aristocrates sont des prêtres. Théologiquement, Jésus est aussi très loin de ces gens-là, qui étaient quand même des vieux conservateurs au plan religieux, qui n'admettaient pas la résurrection, qui n'admettaient pas des choses comme cela. Et donc Jésus, si vous voulez, est très à distance des autorités du temple dans leur ensemble. À la tête de ces aristocrates, il y a le grand prêtre Joseph Caïphe, désigné par les Romains. Alors bien évidemment, les Romains ne désignaient pas n'importe qui. Bon, ils essayaient de trouver une personne qui fût compatible avec l'exigence prioritaire et absolue du maintien de l'ordre et de quelqu'un qui soit sensible aussi aux pressions romaines. Pour ces privilégiés, Jésus apparaît comme un insupportable provocateur. N'avez-vous pas entendu ? Un jour, il chasse les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux destinés au sacrifice. Et il a ces paroles violentes. Cette maison est
une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en l'an 29, en l'an 28, auparavant, ce marché aux bestiaux et ses changeurs était installé sur le mont des Oliviers. Mais que les profits des ventes des animaux pour les sacrifices tombaient dans la caisse du Sanhédrin, dominée par les grands notables et présidée par le grand prêtre. Eh bien, les deux grands prêtres, Anne, qui est grand prêtre honoraire, et puis Caïphe, qui est le grand prêtre en exercice, tous deux ont décidé le transfert de ces marchés à l'intérieur du temple, parce que, à ce moment-là, les profits vont tomber dans leur propre caisse. Donc il y a une jeteuse opération financière à la base, et là, Jésus, évidemment, entre dans une colère en disant « Vous avez transformé la maison de Dieu en une maison de commerce, en une maison de voleurs. » Une autre fois, Jésus évoque l'inouï, l'impensable, la destruction du temple. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Compte tenu de la tension qui règne en ville, le grand prêtre Caïphe et son conseil des sages, le Sanhédrin, prennent la décision d'arrêter Jésus. Prophète et un blasphémateur. Et un blasphémateur, un imposteur. Le Sanhédrin, c'était à la fois l'équivalent de l'Assemblée nationale et l'équivalent de la Cour suprême. Voilà. Donc il avait des compétences législatives, il avait des compétences juridictionnelles. Mais du temps de l'occupation romaine, le Sanhédrin avait perdu son pouvoir politique. Il pouvait juger des affaires religieuses, rien de plus. Alors, que craint le Sanhédrin? Pourquoi, dès l'entrée de Jésus à Jérusalem, agit-il avec une telle précipitation? Ceux qui ont été les acteurs principaux de la condamnation de Jésus, c'est l'aristocratie du temple de Jérusalem, autour du grand prêtre, qui ne tolérait pas la prédication de Jésus, et notamment ce qu'ils estimaient être son mépris pour la pureté rituelle. Les récits évangéliques nous décrivent très très bien que lorsque Jésus, précédé de sa réputation, pénètre dans Jérusalem, ça provoque des mouvements de foule. Et il y a un courant qui est un courant insurrectionnel, qui veut profiter des troubles, des mouvements de troupes, etc., pour déclencher une insurrection générale. Donc les autorités du Sanhédrin veillent à ce que ça ne se produise pas, parce que pour eux, les autorités romaines, d'abord, réprimeront ça sauvagement, et deuxièmement, au fond, n'attendent que ça pour élargir encore leur pouvoir. En effet, les conséquences d'une insurrection pourraient être catastrophiques. 40 ans après la mort de Jésus, en l'an 70 de notre ère, un soulèvement général contre les Romains aboutira à une répression sauvage et à la destruction totale du temple de Jérusalem. Rome avait le génie de la guerre. Voilà. On savait que quand Rome mettait ses légions en marche, leur action était irrésistible. Et Rome ne faisait pas de quartier. Le Sanhédrin estime-t-il que Jésus, que le peuple prend pour le Messie, pourrait entraîner le pays dans une telle catastrophe? Cette crainte explique peut-être les événements tragiques qui vont suivre. Le premier acte de la tragédie a lieu lors du célèbre repas de la scène. Sans doute un repas de Pâques réunissant Jésus et ses 12 disciples. Dans la tradition chrétienne, l'événement aurait eu lieu ici, dans cette salle, qui se trouve au premier étage de l'église du Cénacle, au sommet du mont Sion. Il y a une volonté de donner un sens profond, à savoir, en annonçant sa mort et en partageant l'Eucharistie, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » C'est une communion à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est le sacrifice eucharistique qui est au centre même de l'enseignement de l'Église. C'est au cours de ce repas que Jésus fait cette révélation aux apôtres. « L'un de vous me trahira. » Ce que tu dois faire, fais-le promptement. Judas s'enfonce dans la nuit. On sait qu'il finit par vendre Jésus au grand prêtre pour 30 pièces d'argent. C'est encore lui qui conduit les gardes du temple au jardin de Gethsémani où il désigne Jésus en l'embrassant. Le fameux baiser de Judas. «
Quand on regarde le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui est vraiment terrible. C'est cette histoire de trahison. De trahison de Jésus par un de ceux qui étaient les plus proches, un des douze. Alors, c'est un mystère, c'est un terrible mystère qu'on peut expliquer. Il y a eu beaucoup d'explications. La première explication, ça consiste à dire... Judas, il était pervers dès le début. La preuve, il avait les cordons de la bourse et puis il touchait dans la caisse. Ça, c'est la première explication, mais elle n'est pas complètement satisfaisante parce que, après tout, Jésus a choisi Judas et donc il savait qui était Judas. Il est très vraisemblable que Judas, par exemple, ait eu d'autres espérances sur Jésus et que ce soit une des raisons pour lesquelles il a pensé que, puisqu'il ne prenait pas les armes, c'était un imposteur et qu'il méritait d'être livré aux Romains. Une autre explication, c'est de dire Judas, à un certain moment, comprend plus Jésus et veut convoquer Jésus devant les grands prêtres pour qu'on s'explique. Sa conviction était la suivante, n'est-ce pas ? C'est que si Jésus est le Messie, il ne peut être authentifié dans cette fonction que s'il rencontre les prêtres et le tribunal. Il y a une réunion cette nuit devant Caïphe, il faut que je me tienne auprès de Jésus ! Comment ça ? Et ce n'est pas une réunion. Non. C'est un procès. Et son projet a échoué, malheureusement. Et quand Judas s'aperçoit de cela, que les prêtres étaient vraiment des moins que rien, et qu'avant d'entendre Jésus, ils avaient décidé qu'ils étaient dérangés par l'enseignement de Jésus et qu'ils allaient le tuer, ben Judas s'est suicidé le jour même où Jésus meurt sur la croix aussi. Une autre explication, ça consiste, alors c'est une explication plus moderne, ça consiste qu'il y a eu une sorte d'entente. Vous savez, c'est dans Kazantzakis, la dernière tentation du Christ, il y a une jolie scène où Jésus et Judas se mettent d'accord parce qu'il faut bien que Jésus souffre pour que la résurrection vienne et pour que le salut vienne. Je dois mourir sur la croix, je dois mourir volontairement. Nous devons retourner dans le temple. Et donc, Judas, finalement, est l'instrument divin. C'est celui qui permet que Jésus soit mis à mort. Elle n'est pas non plus très satisfaisante, parce que ça fait une sorte de jeu de Dieu un peu pervers, qui a besoin que son fils meure. Enfin, tout ça n'est pas complètement satisfaisant. Je crois qu'il faut garder le mystère. Il faut garder le mystère en tenant compte d'une seule chose. C'est que Dieu intervient avec des moyens humains. Et le Nouveau Testament n'a pas eu peur de mettre en scène la fragilité humaine. Hélas, dans les siècles qui suivent, la vision caricaturale d'un Judas vénal et perfide va coûter très cher au peuple juif, vite assimilé à Judas le traître. Et on l'appelait Judas, pas Judas, Judée juif. Et on a joué en Occident cette insolence insupportable jusqu'à appeler Judas le petit trou par lequel on observe dans la porte ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire la traîtrise. Derrière Judas, c'est tous les Juifs, les Judéens qu'on est en train de critiquer parce qu'ils ont refusé le message de Jésus précisément. Ça, c'est finalement une impuissance du christianisme. C'est une manière de dire, on a mis à mort notre Dieu et on se cherche un bouc émissaire. Et quand on commence à chercher des boucs émissaires, c'est qu'on se déclare soi-même faible. On n'est pas capable de dire, mais non, ce n'est pas Judas, ce n'est pas le peuple juif qui a mis à mort Jésus, c'est toute l'humanité, on est tous des Judas. Le deuxième acte de la tragédie a lieu avec la comparution de Jésus devant les autorités juives. Peu après son arrestation. Cet escalier, qui date du 1er siècle, aurait été remonté par Jésus enchaîné, venant du mont des Oliviers. Il serait arrivé ici, sur le site supposé du palais du grand prêtre Caïphe, occupé aujourd'hui par l'église assomptionniste de Saint-Pierre, en Galicante. Toujours selon la tradition, Jésus est alors jeté dans un cachot. Le voici. Peut-être un ancien bassin d'ablution creusé pour servir à l'occasion de prison. Puis Jésus est traduit devant le grand prêtre pour être jugé. Mais est-ce bien ainsi que les choses se sont passées ? Alors devant le tribunal juif, qu'est-ce qui se passe ? On l'interroge du point de vue religieux. Es-tu le Messie ? Es-tu le Fils de Dieu ? Il garde le silence. Es-tu le Messie ? Le Fils de Dieu. C'est le silence de quelqu'un qui renvoie l'interrogateur à ses propres questions. Tu me demandes si je suis le Messie ?
La question est en toi. Tu es prêt à me mettre à mort. Donc, prends la mesure de ce que tu es en train de machiner contre moi, l'exécution qui va suivre. Il sait que c'est cousu de fil blanc, il est condamné de toute manière. Il ne peut rien faire, quoi qu'il dise, ça jouera contre lui. Par son silence, Jésus se condamne. Il laisse planer le doute. Il ne dit pas clairement qu'il n'est pas le Messie. C'en est trop pour le grand prêtre, qui décide de le déférer devant l'autorité romaine. Ils ont réussi ce tour de force de coller sur Jésus une étiquette auquel il ne correspondait pas du tout, mais qui a fait mouche auprès de Ponce Pilate, c'est l'étiquette de Messie. C'est-à-dire l'homme à l'épée, l'envoyé de Dieu qui allait déclencher un soulèvement populaire. Ça n'est absolument pas ce que voulait faire Jésus, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas lui-même déclaré Messie, mais il va périr de ce malentendu. Exceptionnellement, ce soir-là, le procurateur romain est présent à Jérusalem. Son nom est resté célèbre, Ponce Pilate. En temps ordinaire, Ponce Pilate réside à Césarée, à une centaine de kilomètres de Jérusalem. C'est une ville neuve, construite sur le modèle romain par le roi Hérode. En fouillant ses vestiges en 1961, les archéologues ont retrouvé un socle de statues évoquant le personnage de Ponce Pilate. Ponce Pilate, préfet de Judée. Mais quand Pilate vient à Jérusalem, où loge-t-il ? Pilate pouvait se trouver en deux endroits différents, soit le palais d'Hérode, dont il héritait, soit la caserne où étaient les soldats. Les deux lieux étaient très protégés, mais le palais de Pilate, plus confortable et proche de la sortie de la ville, était plus fréquentable pour le préfet de la ville, car les manifestations hostiles étaient nombreuses. Le troisième acte de la tragédie est une des confrontations les plus terribles de l'histoire. Face à face, voici Jésus et Pilate. L'un questionne, l'autre garde obstinément le silence. Pilate, il revient toujours sur la même question. Il lui dit en latin, « Tu es rex ». Est-ce que tu es roi ? Voilà. S'il dit non, c'est fini. Il sort du prétoire. Il est acquitté. Es-tu un roi ? Mais s'il laisse planer la moindre ambiguïté, c'est la loi romaine, le crime de lèse-majesté, qui va s'appliquer dans toute son horreur et dans toute sa rigueur. Il n'y a plus de discussion possible. Pilate est sous une tension très très forte, et c'est forcément son premier réflexe dans une province qui est une province de Judée qui est normalisée, c'est le meurtre préventif. Pilate ne prend pas de risque. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Certains psychanalystes pensent que toute sa stratégie était suicidaire, bien sûr. Vous savez, il y a des suicides qui se font par altruisme. Hein ? Il fallait qu'il passe par la mort, qu'il fallait qu'il passe par cette souffrance, par cette mort ignominieuse pour sauver l'humanité. C'est le mystère même du christianisme, c'est le grand mystère du christianisme, c'est aussi sa beauté. Chaque année, dans la vieille ville de Jérusalem, des pèlerins du monde entier refont le chemin de croix de Jésus, depuis le prétoire, où il est condamné par Pilate, jusqu'au Golgotha, où il sera crucifié. Le tracé de cet itinéraire de la Passion a été fixé au Moyen-Âge. Mais si Jésus a bien été condamné dans l'ancien palais d'Hérode, le chemin de croix des historiens n'a plus rien à voir avec celui de la tradition. On peut penser donc que le chemin de croix, au plan historique, partirait plus vraisemblablement de ce palais pour longer les murailles et arriver au Golgotha qui lui a été parfaitement identifié. L'autre chemin de croix a été tracé beaucoup plus tard, 15 siècles après, et part de la forteresse Antonia pour arriver au même lieu qui est le Golgotha. Mais entre cette tradition franciscaine un peu arbitraire et le choix historique vraisemblable du palais de Pilate, je préfère partir du palais de Pilate. L'histoire semble donc tranchée. C'est depuis le palais de Pilate que Jésus a gagné le lieu de son exécution. La colline du Golgotha.
l'époque de Jésus, on l'appelle la colline du crâne, ce qui se dit en araméen Golgotha. C'est là que se déroulent les exécutions à Jérusalem. Aujourd'hui, le Golgotha est inclus dans ce bâtiment, le Saint-Sépulcre, le lieu le plus sacré de la chrétienté. Cette basilique a été construite au IVe siècle pour abriter la tombe de Jésus, mais elle a été transformée au cours des siècles. Aujourd'hui, elle est administrée par plusieurs églises chrétiennes. Et regardez cette échelle. Elle a été laissée telle qu'elle depuis 1854. À l'époque, pour mettre fin à leur querelle, les responsables des églises ont signé un statu quo qui stabilisait la situation. Depuis ce jour, même l'échelle est restée en place et personne n'a le droit d'y toucher. Les fidèles qui entrent dans la basilique montent d'abord au premier étage afin de découvrir ce qui reste du Golgotha. Une partie du rocher affleure sous l'autel et les fidèles viennent l'embrasser dans un geste de vénération. C'est à cet endroit précis qu'aurait été plantée la croix. Les fidèles viennent embrasser cette pierre, la dalle de l'onction, sur laquelle le corps de Jésus a été parfumé d'huiles odorantes après avoir été descendu de la croix. Les fidèles pénètrent à tour de rôle dans la chapelle du sépulcre qui symbolise le tombeau de Jésus. Qui symbolise seulement parce que les tombes qui se trouvaient ici ont été rasées par le calife Al-Hakim en 1009. C'est d'ailleurs cet événement qui a déclenché les croisades. Il y a deux chambres. Dans la première, la chapelle de l'ange, on peut voir un fragment de la pierre qui fermait l'entrée de la tombe. Cette chambre conduit à une seconde où on peut découvrir la dalle où a été déposé le corps de Jésus. Le corps avait été recouvert d'un linceul, selon la tradition juive. Sur le déroulement de l'exécution, les évangiles précisent que Jésus est mort quelques heures, certains disent 6 ou 3, après avoir été cloué sur la croix. Par chance pour lui, si l'on peut dire, il est mort rapidement. Car la crucifixion destinait habituellement le condamné à une mort lente et atroce. C'était le plus terrible mode d'exécution jamais inventé par l'humanité. Quand on reconstitue ce qu'est le supplice de la croix, c'est d'une atrocité innommable. Ce talon appartient à un jeune homme crucifié peu après Jésus. On connaît même son nom, Jochanan, c'est-à-dire Jean. Le talon de Jean est percé d'un long clou en fer dont la pointe a été retournée. Jochanan n'a pas été crucifié comme on l'imagine habituellement. Ses jambes étaient clouées à la croix, des deux côtés. Un côté était percé par un très gros clou. Ses mains n'ont pas été clouées non plus. Elles étaient certainement attachées. Ce qui nous conduit à la question, comment meurt-on sur la croix? La plupart des gens croient que les pertes de sang pendant plusieurs heures ou plusieurs jours sont la cause de la mort. En réalité, nous savons maintenant que la cause de la mort, c'est l'asphyxie. Quand vos bras sont étirés des deux côtés pendant longtemps, vos membres s'épuisent et vous ne pouvez plus respirer. C'est la vraie cause de la mort par crucifixion. Pendant 20 siècles, l'art religieux a largement insisté sur les souffrances de Jésus au cours de son supplice, comme si cette mort horrible sur la croix pouvait avoir un sens. Jésus, très clairement, au niveau des textes et des témoignages,
a voulu se présenter comme le sauveur du monde, comme celui qui devait passer par la mort pour sauver l'humanité. La souffrance de la croix, elle est indésirée. En fait, il va peu à peu comprendre et accepter le fait que sa fidélité et la fidélité à son idéal de non-violence va le conduire à accepter de souffrir, mais accepter de souffrir pour ne pas devenir violent. Donc il n'y a pas chez Jésus de choix de la souffrance, et encore moins d'une sanctification d'une souffrance qui conduirait au salut. À partir de là, selon les évangiles, la réalité bascule dans l'extraordinaire. Car le lendemain, Marie, Pierre et Jean trouvent le tombeau vide. Et Jean, à ce moment-là, nous le dit, l'écrit, et c'est un témoin, il vit et il crut. Donc il a cru en la résurrection de Jésus parce que le corps avait comme disparu de l'intérieur, le linceul s'étant effondré sur lui-même, s'étant tombé, sans que les linges aient été arrachés. Il n'y a pas de traces d'arrachement, tout est en ordre dans la tombe, sauf que le corps a disparu. Un peu plus tard, Marie-Madeleine revient en tombeau pour pleurer. D'après le texte de Jean, elle voit deux anges. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et puis, elle se retourne, elle voit un homme, elle le prend pour le jardinier, et cet homme lui demande « Pourquoi pleures-tu ?» Et Marie dit « On a enlevé le Seigneur. » Et l'homme lui dit « Marie. » Et Marie de Magdala dit « Rabboni. » Et essaye de se mettre à genoux et le prendre par les pieds. Et Jésus lui dit « Ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. » Le miracle de la résurrection de Jésus est une évidence pour qui a la foi. L'historien, lui, est amené à imaginer d'autres pistes possibles. Leur point commun, le corps de Jésus a été déplacé pendant la nuit. À l'appui de cette hypothèse, on note trois détails. Premièrement, la lourde pierre qui fermait le tombeau avait été roulée de côté. Et elle pesait pas loin d'une tonne. Deuxièmement, à l'intérieur, le linge de tête, le suaire qu'on avait posé sur la tête du cadavre, avait été soigneusement plié et posé de côté avec soin. Troisièmement, il y avait un ou deux hommes habillés de blanc. Alors, je pense que ce sont ces hommes et leurs comparses qui ont roulé la lourde pierre, il fallait être plusieurs, et qui ont emporté le cadavre de Jésus pour le déposer dans une de leurs nécropoles du désert, où les ossements se trouvent sans doute toujours. L'autre hypothèse est celle que les chrétiens ont retenue. Jésus est le Fils de Dieu. Il a souffert le vendredi sur la croix pour racheter nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts le dimanche d'après. Et il est remonté au ciel, 40 jours après, le jour de l'Ascension. Je suis pour ma part convaincu, en tant qu'historien, que les disciples, hommes et femmes, qui étaient proches de Jésus, ont eu des expériences visionnaires, qui étaient des expériences mystiques extrêmement fortes. Nous ne devons pas comprendre la résurrection comme un effet de psychose, comme une autosuggestion, parce que les évangiles sont unanimes à dire qu'elle a pris les disciples complètement à revers et les a surpris au-delà de toute chose. Vous y croyez ou vous y croyez pas, mais si vous voulez accueillir le message du Christ et le laisser renouveler votre vie, ça passe par la reconnaissance de sa résurrection. L'historien que je suis sait qu'il n'a pas toutes les clés dans les mains parce que l'histoire n'explique pas tout. Donc il y a un moment, effectivement, où l'historien que je suis passe la main aux chrétiens que je suis aussi. En tant qu'homme juif, parlant d'un homme juif, sachant que le fondement est de la foi juive et du savoir juif, c'est que la mort n'est pas une fin. Je peux parfaitement comprendre cet événement de la résurrection. Si la plupart des chrétiens font de cette version un article de foi, d'autres en cherchent la preuve quasi scientifique, en invoquant l'étonnante image imprimée sur le suaire de Turin.
Le linceul de Turin, c'est un grand linge de 4 mètres 40 environ de long sur 1 mètre 10 de large, qui représente le corps d'un homme crucifié, flagellé, couronné d'épines, qui présente donc toutes les stigmates de la passion de Jésus. Le linceul apparaît en France au Moyen-Âge, sans qu'on sache très bien comment. Pendant des siècles, il n'est qu'une relique parmi tant d'autres. La vraie surprise intervient le 28 mai 1898, quand un photographe, Segondo Pia, réalise une photo d'ussuaire. En la développant, il découvre que le linge sacré a toutes les propriétés d'un négatif photo. Et quand il tire le positif, une image stupéfiante apparaît. Et là, donc, on a une vision extraordinairement précise des traces de la passion avec ce visage magnifique, dans un calme serein, endormi dans la mort. Tout se passe comme si, lors de sa résurrection, Jésus avait laissé son image mystérieusement imprimée sur le linge sacré. Pendant près d'un siècle, la polémique enfle entre partisans et adversaires de l'authenticité du suaire. En 1988, pour lever les doutes, le cardinal de Turin, Monseigneur Balestrero, donne son accord pour un examen scientifique de la relique avec la technique du carbone 14. Trois laboratoires sont choisis pour effectuer la mesure. Les prélèvements ont lieu le 21 avril 1988. Le 13 octobre de la même année, le cardinal Balestrero annonce les résultats. Ils concordent tous. Le suaire de Turin est un faux qui date du Moyen-Âge. D'autres reliques de la Passion sont conservées en France, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voici l'une des plus précieuses, la Sainte Couronne d'épines. Jésus en est coiffé par les Romains, en signe de dérision. Alors, cette couronne d'épines est une tresse de jonc de 21 cm de diamètre dans lequel étaient plantées de très longues et dures épines. En 1238, Saint-Louis la rachète à l'empereur de Constantinople pour une somme astronomique. Souvenons-nous que Saint-Louis a acheté cette couronne d'épines pour un montant correspondant à l'époque à la moitié du budget de la nation, qui, pour la garder, a fait faire un écrin magnifique qui est la Sainte-Chapelle. Et pour construire la Sainte-Chapelle, il a dépensé une nouvelle fois la moitié d'un budget annuel de l'État. Après la tempête de la Révolution, la couronne arrive à Notre-Dame de Paris. Elle est confiée aux chanoines de la cathédrale avec deux autres reliques, un fragment de la vraie croix et un clou de la Passion. Si c'est un signe de ce que le Christ a vécu, est-ce que ce signe me dit quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ce signe m'appelle à quelque chose? Est-ce qu'il soutient ma foi? Est-ce qu'il la nourrit? Après avoir été moine catholique pendant 20 ans, maintenant, je n'ai plus besoin ni du suaire de Turin, ni de la résurrection de Jésus pour être fasciné, captivé par l'homme que j'ai découvert dans les évangiles. C'est là qu'il se trouve. Cet homme, il me suffit. Il y a quelque chose qui demeure après la mort de Jésus. Pas seulement le fait que sa parole reste vivante, parce qu'on peut le dire de beaucoup de philosophes, mais c'est la relation à Jésus qui demeure vivante. Jésus apporte quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, en fait, c'est quelqu'un, c'est sa personne même. Cette présence est telle qu'elle se manifeste quelques jours après la mort de Jésus, sur les bords du lac de Tibériade. Pierre, Thomas, Jean et deux autres apôtres sont en train de pêcher. Mais la pêche n'est pas bonne. Alors un homme, depuis le rivage, leur conseille de jeter le filet du côté droit de la barque. Et la pêche devient alors abondante. Jean a compris. Cet homme sur la plage, c'est Jésus. Il s'écrie « C'est le maître !» Et il court à la rencontre de celui qui a vaincu la mort. Pour la chrétienté naissante, l'homme de Nazareth va devenir le Fils de Dieu.
la vie terrestre de Jésus s'arrête sur cette berge du lac de Tibériade. Que s'est-il donc vraiment passé? Un mirage? Jésus vraiment ressuscité? Mais comment le savoir? Ce qui est certain, c'est que 20 ans plus tard, ici, à Jérusalem, est née une religion, le christianisme. Comment la parole du Christ s'est-elle répandue après sa mort? Qui sont les premiers chrétiens? Et comment ont-ils porté le message de celui qui voulait bouleverser l'ordre établi? Avant de gagner la Gaule, le christianisme se diffuse en Judée, au sein du peuple juif, à l'époque sous domination de l'Empire romain. Contrairement à une idée reçue, les premiers disciples de Jésus sont alors intégrés à la vie quotidienne des cités et vivent en bonne intelligence avec les autres communautés. Les chrétiens de l'Empire romain sont des Romains. Et ils ne se voient pas autrement. Et ils ne se distinguent pas des autres, hein, ni par l'habit, ni par la façon de se comporter. Les premiers chrétiens vont, au départ, respecter parfaitement la religion juive et les exigences de la Torah. Vont se rendre au temple, alors ne pratiquant pas des sacrifices, mais iront prier au temple. Si les chrétiens veulent croire qu'un juif se meurt de désordre et leur dieu, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas l'empereur. Du moment qu'on respecte l'ordre romain, l'Empire n'est pas du tout intolérant par rapport aux autres formes religieuses. Les disciples de Jésus entreprennent de porter son message et de modifier de l'intérieur la religion du peuple juif. La bonne nouvelle, le message de Jésus, je le profère. Ce sont des prédicateurs. Le problème avec Jésus, c'est qu'il n'a rien écrit. Et donc tout ce qu'on sait, c'est ce que d'autres ont rapporté, ce que les évangélistes ont rapporté. Et les évangélistes, il faut insister là-dessus, ce n'est pas des livres d'histoire qu'ils écrivent, c'est des livres de propagande, enfin au sens large du mot, des livres qui visent à propager la foi en ce personnage de Christ auquel les auteurs croient. Un personnage apparaît et précipite le christianisme dans un premier conflit théologique avec les apôtres. Paul de Tarse est né en Anatolie. Commerçant juif, proche des prêtres pharisiens, il est, dans la première partie de sa vie, un farouche adversaire des adeptes de Jésus. Il va recevoir des lettres de mission des grands prêtres pour aller pourchasser les juifs convertis au christianisme à Damas. C'est sur la route de Damas que Paul, le persécuteur des premiers chrétiens, aurait eu une révélation. Il devient aveugle et puis il va ensuite rencontrer les chrétiens, va recouvrer la vue. Converti par un miracle, Paul se rend à la rencontre des apôtres, Jacques, le frère de Jésus, et Pierre, pour se mettre au service du Christ. Pierre se méfie de ce Paul, de ce persécuteur. Est-ce que ce n'est pas un espion, quelqu'un qui s'introduit dans le groupe pour mieux les exterminer? Au contraire, Paul devient un des prédicateurs les plus acharnés du message de Jésus, au point de se fâcher avec les premiers apôtres. Et donc on a un débat entre Paul et les autres sur la question de savoir si pour être chrétien, il faut rester juif ou sortir du judaïsme. Paul a l'intuition qu'il faut rompre avec certains des rites séculaires du judaïsme pour convertir en masse, en proposant un nouveau monothéisme. Pour rentrer dans cette mouvance, ça va être plus simple que de rentrer dans le judaïsme. Les hommes n'ont pas à se faire circoncire, il n'y a pas l'obligation du Shabbat, il n'y a pas les obligations alimentaires. Et donc, les chrétiens vont petit à petit tenter leur chance hors du judaïsme. Paul paye son prosélytisme de sa vie en étant décapité. Privilège, si l'on peut dire, réservé aux citoyens romains. Mais la voie est tracée. Le message s'étend à travers l'Empire. Les évangiles écrits après la mort de Paul finissent d'installer ce nouveau dogme qui se répand petit à petit dans toutes les couches de la société de l'Empire romain.
C'est une religion qui est extrêmement secrète et discrète à la fois. Les gens se contactent très peu, très discrètement. Quand un chrétien rencontre quelqu'un en se demandant « est-il chrétien ou non ?», il dessine un poisson dans le sable. Puis si l'interlocuteur reconnaît ce symbole, il le dit. Donc ils savent qu'ils sont l'un et l'autre chrétiens. Si l'interlocuteur ne réagit pas, donc il en déduit que c'est un païen. Il n'y a pas de lieu de culte officiel. Les premiers chrétiens, discrets, se réunissent le plus souvent le dimanche, dans de simples maisons. On a une domus, une maison, qui est à la fois une maison particulière et une maison de prière. Et vont apparaître ce qui sont les premières églises dans cet espace domestique, autour de quelques cultes qui sont très simples, généralement la synaxe, c'est-à-dire la célébration du dernier banquet du Christ, qui va servir à souder la communauté. On mélange l'aspect liturgique, commémorer la scène du Christ, et donc s'intégrer dans la communauté de foi, et l'aspect social, c'est-à-dire manger tous ensemble. Cette discrétion des premiers cultes chrétiens commence à susciter la suspicion des autorités romaines. La notion d'ordre est une notion qui est fondamentale si on veut comprendre les Romains. C'est l'essentiel de leur mentalité collective. Tant que les chrétiens ne sèment pas le désordre dans la vie publique, on ne les touche pas. Peu à peu, en refusant de participer aux grandes cérémonies publiques romaines, les adeptes du message de Jésus se marginalisent au sein de l'Empire. Pour les Romains, ce qui était important, c'était le culte, le rite, qui était un élément de cohésion sociale. La participation, par exemple, au sacrifice, en l'honneur de l'anniversaire, du règne d'un empereur, par exemple. Les chrétiens ne peuvent pas participer, effectivement, à un certain nombre d'actes de la vie publique, notamment les sacrifices. Aucun sacrifice sanglant n'était envisageable, puisque le sacrifice, par excellence, c'était celui du Christ. Le sacrifice sanglant, le dernier et le seul, c'était celui du Christ. Donc il ne pouvait plus y avoir de sacrifice après. De ce point de vue, leur position les met en situation d'être persécutés. La première grande persécution a lieu en 64, à Rome, sous l'empereur Néron. Les chrétiens sont désignés comme responsables du plus grand incendie que la ville ait connu. L'incendie de Rome, on ne sait pas trop qui l'a déclenché. Certains ont dit que c'était Néron pour s'amuser, d'autres ont dit que c'était un accident et il fallait trouver un bouc émissaire. Les chrétiens étaient tout désignés. Les chrétiens ont été exécutés comme incendiaires, non pas pour leur religion, hein, comme incendiaires, ils ont été brûlés vifs, ce qui est une peine miroir. Être puni en fonction du crime qu'on a commis. C'est une persécution très localisée à la ville de Rome. Cet incendie et la répression qui s'ensuit marquent les débuts d'une mythologie chrétienne, victime continue du pouvoir impérial romain qui fait écho à la passion de Jésus sous Ponce Pilate. Alors, les répressions sont relativement rares. Il y en a ponctuellement au niveau régional. Un gouverneur peut choisir de persécuter les chrétiens. C'est quand même le laisser-faire qui domine. Car le christianisme ne cesse de gagner des âmes et du terrain, jusqu'à s'implanter en Gaule, notamment à Lyon. Nous sommes à Lyon, un carrefour majeur où se croisent l'histoire de l'Empire romain et celle des premiers chrétiens. Le théâtre gallo-romain de Fourvière, où nous nous trouvons, est le plus ancien théâtre antique jamais bâti sur le territoire des Gaules. Plus de 108 mètres de largeur, ce théâtre peut accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. C'est un théâtre, un lieu de spectacle entouré d'échoppes où l'on vend là des boissons, là divers objets artisanaux. Il y a des lieux où se restaurer, même ce qu'on appellerait aujourd'hui un hôtel, où peuvent séjourner les hôtes les plus illustres. Le théâtre dans l'Empire est le socle autour duquel la ville prend vie. Lyon, Lugdunum en latin, contemporaine de Jésus, se construit donc autour de ce site. Lyon est alors une place stratégique d'un point de vue commercial, mais aussi militaire, puisqu'elle constitue une position avancée de l'Empire romain dans la Gaule dite chevelue.
Vous allez penser que cette expression capillaire est liée à l'image, par ailleurs erronée, que nous nous faisons de nos ancêtres les Gaulois. Eh bien, pas du tout. Le terme « chevelu » renvoie aux épaisses forêts qui recouvrent ce territoire. À l'époque qui nous intéresse, les débuts du christianisme, au IIe siècle, la ville voit l'arrivée de nouveaux convertis. Cette religion est certes surveillée par les autorités romaines, mais tolérée, comme dans le reste de l'Empire. Paradoxe de l'histoire, c'est sous le règne du bon Marc Aurèle, empereur philosophe, qu'en 177 à Lyon, le martyr de 47 chrétiens, supplicié à l'instar de Jésus sur le mont Golgotha, donne naissance à toute une liturgie qui fait de la ville un haut lieu de la chrétienté. La vallée du Rhône, une partie également de la côte méditerranéenne, connaît un peuplement qu'on appelle oriental, c'est-à-dire des communautés venues de Syrie, venues de Palestine, venues de ce qui est la Turquie actuelle, sont là, des marchands. Et parmi ces marchands, il y a très tôt quelques chrétiens. La ville de Lyon est très importante. C'est là où on voit le mieux comment le christianisme a été transporté d'Orient en Occident. Un homme, notamment, laisse son empreinte dans l'histoire de la capitale des Trois Gaules. Il s'agit d'un religieux, Irénée, arrivé par cette vague d'immigration récente. Irénée, l'évêque de Lyon, la figure, la grande figure de l'épiscopat de Lyon. On dit Irénée de Lyon, mais c'est Irénée de Smyrne. Il est né dans l'actuelle Turquie, c'est là qu'il a été formé. Irénée est le témoin d'un épisode tragique qui démontre à la population de la ville la conviction inébranlable qui habite les porteurs du message de Jésus. En 177, sous l'empereur philosophe Marc Aurèle, la ville connaît des tensions entre communautés de cultes différents. Les chrétiens étaient des nouveaux venus. Les chrétiens ont été les victimes de l'hostilité de la population locale ou d'une partie de la population locale. On comprend que le gouverneur soit particulièrement inquiet si la ville commence à partir en vrille. Donc il faut absolument éviter ce genre de choses. Et les chrétiens sont sans doute peu populaires à Lyon. Ces gens-là n'ont pas l'air de commettre de crimes, mais simplement ils professent des opinions qui pourraient nuire à l'ordre public, finalement, c'est ça. Donc, quand la communauté urbaine est instable, on massacre quelques chrétiens parce que ça permet de fédérer tout le monde autour de boucs émissaires. 47 chrétiens sont arrêtés. Parmi eux, l'évêque de Lyon, Potin, âgé de 90 ans, et une jeune esclave prénommée Blandine. Blandine, une figure tout à fait lumineuse, d'une grande piété, d'une grande simplicité, d'une franchise. Elle, avec 5 autres compagnons, va être soumise au jeu du cirque. Si on a un amphithéâtre et 3 lions affamés, bien c'est très bien, on livre les chrétiens aux lions, ou tout simplement les égorger en public, ça fait beaucoup rire le bon peuple. C'est donc bien ici, dans ce qu'il reste de l'amphithéâtre des Trois Gaules, que Blandine, selon la légende, aurait été livrée aux lions. À la différence des théâtres, qui sont des lieux de représentation scénique, pour des tragédies, des pantomimes, les amphithéâtres, eux, servaient de lieux de représentation pour des jeux. Il faut imaginer un lieu qui était surmonté par 3 grands murs concentriques, une arène qui montait à pratiquement 20 mètres ou 30 mètres de haut, qui pouvait accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. En règle générale, les principaux jeux donnés dans l'amphithéâtre impliquent les gladiateurs qui meurent rarement, puisqu'ils coûtent cher, il faut les entraîner. Mais il arrive, exceptionnellement, qu'on mette en jeu des condamnés de droit commun. Et pour ce qui est de Lyon, on a un document tout à fait étonnant qui a été retrouvé en Espagne, qui est un édit édicté par l'empereur Marc Aurèle en 176 de notre ère, qui est une réponse aux grands prêtres qui demandent de pouvoir acheter des condamnés de droit commun qu'ils souhaitent substituer aux gladiateurs dans le cadre des Jeux. Et c'est ce document qui amène les historiens aujourd'hui à penser qu'effectivement, le martyr de 177 a pu avoir lieu dans cet amphithéâtre des Trois Gaules, puisqu'il est directement associé au sanctuaire où officiaient ces mêmes prêtres. L'évêque Potin est exécuté dans sa cellule, tandis que Blandine est livrée en pâture aux bêtes.
Blandine est une femme, une esclave, jeune, et l'évêque Potin est âgé, il a plus de 90 ans, et pour autant ce sont les plus courageux, les plus forts face à la souffrance, face aux martyrs, au point que les bêtes ne veulent pas approcher Blandine, et donc ils souffrent comme ça jusqu'au bout. Le supplice de la jeune chrétienne dure plusieurs jours, devant une foule partagée entre le goût du spectacle et l'admiration que suscite sa foi. Livrée aux bêtes, torturée, elle refuse d'abjurer. Elle est finalement exécutée dans sa cellule. L'épisode des martyrs de Lyon est attesté par plusieurs textes de l'époque. Pour autant, la légende l'emporte sans doute sur la réalité des faits. Le discours est aussi beaucoup construit, remodelé, fabriqué par les chrétiens pour faire des martyrs. Ils les appellent les athlètes, les soldats, sont vraiment des soldats du Christ. Il s'agit de montrer pour les chrétiens que la force du témoignage du martyr n'est pas celui du héros de l'Antiquité. Le héros de l'Antiquité, c'est un homme jeune, un homme beau, un homme combattant. Et à cela s'oppose donc la figure de Blandine, qui veut dire la petite, la faible. Le martyrat étant un des modes de propagation du christianisme, on a beaucoup insisté sur des souffrances qui ne sont pas discutables, mais qui, en fond, ont été utilisées, instrumentalisées, pour favoriser la diffusion de la foi chrétienne et de l'Église qui la représente. D'autres persécutions auront lieu. Mais la religion des adeptes de Jésus ne faiblit pas au cours des siècles suivants, au point de redéfinir la politique et les frontières de l'Empire. De nouveaux peuples se convertissent également. Parmi eux, les Francs, avec à leur tête leur chef, Clovis. Après le baptême de Jésus, un autre baptême trouve sa place dans l'histoire de la religion catholique et sonne comme l'acte de naissance d'une nouvelle terre chrétienne, la France. Derrière moi, ce monument de notre histoire, la cathédrale de Reims. Chef-d'œuvre de l'art gothique naissant, elle est édifiée telle que vous la voyez aujourd'hui à partir de 1211 et achevée deux siècles plus tard. Plus de 3600 statues et sculptures ornent l'édifice, dont cet ange au sourire qui illumine ce lieu. Admirez cette galerie des rois sur la façade occidentale de la cathédrale rémoise. Elle est composée de 56 statues. Au centre, Clovis, aux côtés de sa femme Clotilde et de l'évêque Rémi, qui célébra ce baptême resté le plus célèbre dans l'histoire de France. Pourquoi Reims? Eh bien, c'est ici qu'à la fin du 5e siècle, Clovis, un chef franc païen, se fait baptiser. Selon la légende, Clovis promet au dieu des chrétiens de se faire baptiser s'il parvient à battre les Alamans lors de la bataille de Tolbiac, une bataille qu'il remporte naturellement. L'édifice n'a plus rien à voir, bien sûr, avec ce qu'a connu Clovis en son temps. Mais regardez, une simple inscription au sol indique l'endroit où Clovis a été baptisé. De cet événement fondateur, il reste cependant un objet inestimable qui a pour beaucoup contribué au prestige de ce lieu, la Sainte Ampoule. Il n'en subsiste aujourd'hui plus que quelques fragments qui sont pieusement conservés dans ce reliquaire. Regardez, la fiole est ici. La légende veut que cette fiole emplie de saint crème ait été envoyée par Dieu pour le baptême de Clovis. Elle a servi à l'onction de la plupart des rois de France lors de leur sacre, unissant ainsi leur règne à celui du pouvoir divin.
Clovis n'est pas le seul à se faire baptiser ce jour-là. 3000 de ses soldats reçoivent aussi le sacrement. Cet acte fondateur de notre histoire est en fait une habile stratégie politique pour conquérir la Gaule et asseoir son autorité sur un territoire appelé à devenir la France. Pour installer sa dynastie et conquérir une grande partie de la Gaule, Clovis aurait eu une inspiration divine. Cette rencontre avec le dieu des chrétiens, le jeune chef franc la doit en fait à sa très pieuse femme, Clotilde. Une rencontre qui s'inscrit aussi dans un contexte plus large. L'Empire romain a connu une révolution au siècle précédent par la volonté d'un homme, l'empereur Constantin. Alors Constantin, c'est le fils d'un César, c'est-à-dire d'un empereur de second niveau, et qui a choisi de tenter l'aventure et de s'emparer de Rome. C'était un homme très fort, très courageux, un bon militaire. Constantin séjourne alors en Bretagne, quand Maxence se fait acclamer empereur à Rome. Il décide d'attaquer pour destituer son rival. L'Empire romain n'a jamais été un dîner de gala. Je veux dire par là que les successions sont généralement violentes. La bataille a lieu le 28 octobre 312, sur le pont Milvius, aux portes de Rome. Quelques jours auparavant, Constantin aurait vu un signe divin pour le guider vers la victoire. Il a vu le chrisme, le symbole du Christ, le symbole qu'utilisent les chrétiens. Et avec cette phrase, ce qu'il entend, qui est « par ce signe, tu vaincras ». Et donc, on croit beaucoup à la vertu des songes, qui fait graver sur ses boucliers ce chrisme. Il obtient une victoire éclatante, dont la paternité est attribuée au Christ vainqueur. Ça lui donne une espèce de confiance dans le pouvoir magique de cette religion. La religion du vainqueur est pour ainsi dire faite. Il avait promis, s'il gagnait cette bataille, de se convertir au dieu des chrétiens. Dieu lui a donné l'empire. En échange, l'empereur est au service de Dieu. Constantin Ier poursuit la conquête de l'Empire pour l'unifier sous sa seule magistrature. Constantin vient de terminer l'unification de l'Empire, garantissant ses frontières contre les barbares, rétablissant un consensus à l'intérieur, et il doit refonder l'Empire sur des bases religieuses concordantes. Et c'est là donc qu'il installe le christianisme dans l'Empire. Il y a une conjonction, une convergence entre le pouvoir unique du Seigneur Dieu et le pouvoir unique du Seigneur impérateur, du Seigneur prince. Pour renforcer cette unité, l'empereur décide de s'appuyer sur la religion de Jésus et sur son organisation présente sur l'ensemble des territoires de l'Empire. Le pouvoir constantinien va favoriser l'Église, favoriser les évêques. Constantin va s'appuyer sur cette organisation respectueuse de l'ordre établi, et cette organisation très très ramifiée, avec des évêques, avec des paroisses, avec des vicaires, etc., etc. C'est un bouleversement complet. Constantin a changé le monde. Reste un problème de taille pour le premier empereur chrétien. Définir le dogme de cette toute jeune religion. Car les pratiques et les théologies sont à l'époque légion. Le christianisme n'avait pas commencé à être formulé que déjà des courants différents sont apparus. Ces conflits, ça fait des ordres. Donc il faut mettre les gens d'accord. Le meilleur moyen, c'est de les rassembler. L'empereur Constantin décide la réunion d'un concile à Nicée, dans l'actuelle Turquie, le 25 juillet 325, afin que tous les évêques se mettent d'accord. Ce concile de Nicée est d'une certaine façon la fondation du christianisme tel que nous l'entendons depuis. Le concile de Nicée dit « le Fils est consubstantiel au Père ». Mais tous n'acceptent pas de faire de Jésus l'égal de Dieu le Père. Un courant, l'arianisme, refuse les décisions de ce concile. La principale hérésie contre laquelle s'est élevé le concile de Nicée
en 325, eh bien, c'est l'hérésie qu'on appelle arienne, du nom de ce prêtre d'Alexandrie, Arius, qui prêchait à Alexandrie un dogme de la Trinité, le Fils ne peut pas être égal au Père. Et l'arianisme plaisait beaucoup, notamment chez les barbares germaniques. Parmi ces peuples dits barbares, les Visigoths, les Ostrogoths et les Burgondes. Les Francs de Clovis, en revanche, sont restés attachés à leurs vieilles croyances germaniques. Le caractère original de Clovis, c'est que c'est un roi non chrétien, disons païen. On ne sait pas quel culte exactement pratique Clovis et les Germains dont les Francs sont une branche. Une rencontre bouleverse alors son destin. Clovis se marie avec une princesse habitée d'une foi inébranlable, Clotilde. C'est une belle personne, c'est une personne cultivée, c'est une personne spirituellement très remplie d'une foi indomptable. C'est par elle que Clovis est initié au christianisme. Cette union donne jour à un premier enfant. Mais un drame vient ébranler la foi naissante du jeune roi. C'est un garçon qui s'appelle Ingomer, on a gardé son nom, que la reine, avec l'accord tacite du roi, décide de faire baptiser, et l'enfant meurt au bout de quelques jours. Alors Clovis dit à Clotilde, écoute, le Dieu donc tout-puissant dont tu me parles, il n'est même pas capable de protéger l'enfant que tu as eu. Moi, je n'irai pas vers un Christ qui n'est pas capable de maintenir la vie à l'intérieur de ma propre famille et d'assurer, au fond, et d'être au service de mes intérêts. Clovis a d'autres préoccupations que la religion. Il mène de nombreuses guerres pour étendre son royaume. Alors Clovis, c'est avant tout un roi conquérant. Comme la plupart des rois barbares, il fonde son pouvoir sur la guerre. Un front est ouvert à l'est contre les Alamans. Une bataille décisive se joue à Tolbiac, dans l'actuelle Allemagne, près de la ville de Cologne. La date est incertaine. Elle a eu lieu entre 496 et 506 de notre ère. Clovis va perdre la bataille. Et alors, il se tourne vers le ciel et il invoque Jésus, que Clotilde dit être le Fils de Dieu. Et si tu me donnes la victoire, je croirai en toi. Cet épisode, raconté par Grégoire de Tours plus d'un siècle après, n'est pas sans rappeler la conversion de Constantin lors de la victoire du pont Milvius. Toute la culture politique du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire du Moyen-Âge, c'est la culture du rétroviseur. Il s'agit de faire comme avant. Pour authentifier cet événement miraculeux, surnaturel, qui est une conversion, il faut trouver des précédents. Ben, Clovis, c'est Constantin. Il y a des précédents. Donc on est dans une série. Et le succès du christianisme, c'est aussi le succès de ses récits. C'est d'avoir su faire des récits qui nous parlent aujourd'hui encore, qui projettent des images auxquelles on veut croire. Clovis tient parole et se fait baptiser, suite à la victoire sur les Alamans par l'évêque Rémy à Reims. Sur le baptême de Clovis, on a un seul document, une lettre, sans date, avec des trous, parce que la vermine l'a lu avant les historiens, et avec pratiquement aucune information objective, si ce n'est que l'auteur, qui est un évêque de Vienne, dans la vallée du Rhône, dit que Clovis a reçu le baptême un jour de Noël. Seule certitude, à compter de cet événement, Clovis et donc le peuple franc deviennent officiellement chrétiens. Mais ce baptême est aussi un moyen pour lui de nouer une alliance avec les provinces gauloises chrétiennes, fidèles au concile de Nicée, contre les royaumes ariens. Le coup d'œil politique de Clovis, c'est d'avoir compris qu'il fallait passer directement du côté des plus forts. Et les plus forts, c'est qui ? Ce sont les évêques. On ne dira jamais trop la puissance que représentent les évêques qui permet un contrôle des populations que l'arianisme permet de moins en moins. Pour faire main basse sur la Gaule non romaine, Clovis, le premier roi chrétien des Francs, dispose d'une autre alliée de taille, Geneviève, sainte patronne de Paris. Quand le jeune roi franc la rencontre, sa notoriété est alors immense. Geneviève a sauvé la ville de l'invasion des Huns en organisant la résistance, et ce, avant la naissance de Clovis. C'est ici, dans cette église, l'une des plus belles de Paris,
Saint-Étienne-du-Mont, que sont exposées les reliques de la sainte. Paris est assiégé. À cette occasion-là, une famine s'installe puisque les voies de communication habituelles sont bouclées. Et donc, Sainte-Geneviève va tirer de sa propre richesse des fonds pour commander la farine et elle va être vendue aux riches et distribuée gratuitement aux pauvres. Donc, il y a des événements de son existence hein, qui font de cette Geneviève cette colonne. Hein, voilà. Et puis, il y a des événements post-mortem. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire de Paris, il y aura des miracles réputés hein, où Geneviève va intervenir. Auréolée de sa notoriété, Geneviève est une alliée indispensable pour Clovis. Paris passe dans le camp de Clovis sans guerre. Ce qui laisse supposer que Geneviève a fait le choix des Francs à un moment de son existence. Geneviève, c'est une femme qui endosse une forme de virilité. C'est-à-dire qu'elle est investie d'un pouvoir qu'elle exerce à l'égal d'un chef en raison de sa culture et de ses vertus, notamment de ses vertus spirituelles et théologiques. Clovis gagne donc Paris, l'ancienne Lutèce, pour étendre davantage encore ses conquêtes vers le sud, jusqu'aux Pyrénées. La sainteté de l'un apporte la gloire et les honneurs à l'autre. Donc là aussi, on retrouve un échange intéressant entre l'Église et le pouvoir politique. En 509, Clovis fait de Paris sa capitale et entreprend la construction d'une basilique sur l'actuelle montagne Sainte-Geneviève. Clovis aurait fait construire une basilique des Saints Apôtres sur la rive gauche de la Seine. Et là aussi, on retrouve un peu le spectre de l'empereur Constantin, puisqu'il est à l'origine de la construction d'une basilique des Saints Apôtres à Constantinople. C'est à l'emplacement de cette basilique, dont il ne reste aucun vestige, que Clovis repose aux côtés de sa femme Clotilde. Et on a pu penser qu'il voulait en faire un mausolée de la monarchie. En fait, ça n'a pas été le cas, puisque le mausolée de la monarchie, ensuite, ça a été d'abord Saint-Germain-des-Prés, et ensuite et surtout Saint-Denis, jusqu'à la fin de la monarchie. La tombe de Clovis, premier roi chrétien de notre histoire, n'a jamais été retrouvée. Des premiers pas de Jésus en Judée jusqu'à l'installation en Gaule d'un premier roi chrétien, des découvertes archéologiques récentes, au mystère qui entoure la vie, la mort de Jésus, cette période recèle encore de nombreux mystères exaltants. Que l'on soit chrétien ou pas, peu importe, cette page essentielle de l'histoire de l'humanité est encore à compléter par de nouvelles découvertes. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.